vu ça? <laughs> wow. Ça commence fort pareil. Ça commence très fort. Euh, ok, amis, joueurs et joueuses, je un au micro. <laughs> <laughs> Yo, même, attends, je sors la chèvre, pas je vois commence avec la chèvre. <laughs> 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 Donc, euh, voilà, c'était Dom au micro. Oui, hey, oui, bravo, bravo. Ce soir, ce soir, il y a également Piquette euh, qui est à la ça technique. Oui, c'est moi ça. Et moi-même, euh, Masta, Masta qui est en... Juste en ben, haut. Ah, je suis one. en haut, bon ben... C'est l'épisode euh, 58 en... de l'Assemblée vidéoludique. Ludique. bonne Oh, attention, ici, Famille Parfaite, c'est qui ça ah, Salut, je te le future sur mon super stream en 4K <laughs> et tu es à la télévision nationale de Twitch sur ma chaîne. Bonne chance et courage, ne sois pas nerveux, tu es capable et si tu as pogné ce début incroyable. <laughs> oh, okay. C'est Qui qui écrit ça c'est bien dit c'est sûr. Aucune calvaise d'idée mais c'est là. <laughs> oh, ça a commencé fort hein. Pas ouais, quand même. Ça. Ok, bon. <laughs> Vin, si as l'a perdu, dis rien, tu vois juste les yeux à droite, à gauche. <laughs> non, excusez, c'est parce que je fais des, je fais des recherches en de, de dernière minute en même temps, c'est pour ça. Ah, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Okay. Habituellement, je me fie à ton intro pour pouvoir faire autre chose, mais là, je peux pas. <rire> <rire> euh, je tiens à souligner que Fred va peut-être nous rejoindre plus tard, donc j'ai mis une photo pour le remplacer ouais. Xbox Love. Dire <laughs> qu'avant c'était un fanboy de Sony, hein? ça se peut tu comment que tu changes vite pareil dans une non, bon, bref, euh, c'est ça, un peu de sérieux s'il vous plaît. Là. <coughs> on va essayer tout cas. Donc à niveau un, les actualités, on va commencer par ça. Moi j'en ai deux. Et euh, bon. on dirait que je suis comme seul à en avoir cette semaine, c'est merveilleux. Ah hey, c'est vrai hein? C'est quoi c'est le troisième podcast qu'on qu'on con 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 ouais. Consécutif. Consécutif. Yes! Sujet, verbe, complément, c'est pas facile. OK, donc, euh, première actualité, ça va comme suit. Euh, Vous y aller avec euh, Russell de Call of Duty, en fait. Euh, <laughs> étrangement, et sans aucune raison valable, <laughs> Activision Bizarre sont sortis de champ gauche en disant cette semaine... Ah. Écoutez, je pense qu'on aurait fini que la Deuxième Guerre mondiale. Ça commence à être moins rentable d'un jeu vidéo. Ah, t'es pas sérieux. Après 127 jeux pareils, vous décidez de changer de créneau. Eh bien, ça On s'en que compte, en Ben, écoute, moi, j'ai toujours préféré le moderne. Par contre, je suis pas plus futur. J'aime vraiment le moderne. C'est quoi? C'est-tu? C'est. Tu peux. C'est enfin... Advance. Non, c'est en... Infinity est... Warfare, je l'ai trouvé nul à. I... Ça, c'est celui qui a et des puis robots qui Adven... ont. Long... Advance Warfare, je l'ai trouvé correct, même si je ne pas ouais. sur le futur. Puis c'est celui que tu avais des... ouais. du dash et tout, là, que tu fais double jump avec des exosquelettes et tout. Là. Ah préféré, non, lui, là. Ton favori, c'est le C'était le seul que je n'ai pas Effectivement. fini. Effectivement celui avec des exosquelettes tout le long, des robots tout ça, c'était pas du Call of Duty, ça, c'était n'importe quoi sauf ça. J'ai pas aimé ça pendant tout. Je Ghost il Vince, est Pompé, par exemple. Pour répondre à Vince, dans le fond, tu as dit ton préféré c'est Ghost, mais je pensais que tu parlais du personnage là. c'est pour ça que je t'ai dit oui, mon, mon, Call of, mon Call of Duty favori, ça reste Modern Warfare 1, Modern Warfare 2. Là. Ah ok, ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment contemporain, c'est aujourd'hui. Ouais, 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 plus plus ouais. moins là. Exact. OK, okay d'accord. bon OK, fait que, ben, c'est ça. Fait que lui, se sont rendus compte que c'est moins rentable. Fait qu'ils vont probablement lâcher la deuxième guerre mondiale enfin. C'est à peu près à temps qu'ils se décident. Mais bon, en tout cas. Euh, mais il y a une chose, par exemple, il y a une polémique présentement sur Internet, hein? Vous avez vu la première semi, peut-être, war Annonce de Modern Warfare 2? Avec mais tout oui. comment ça a été décortiqué, le 2 qui est fait en vert. Donc ça, c'est pour Microsoft d'après moi et tout ça. Mais bref. Là il, en 2023, mmh. mais là, il est annoncé comme en octobre ou novembre 2022. C'est un peu mêlant. Là. On ne sait plus quand il va sortir le jeu, finalement. Là. Mais je ne suis pas, euh, pas d'accord avec le fait que tu dis que le vert, c'est pour Microsoft. C'est toujours un peu la couleur de Modern Warfare, simplement. Oui, mais là, il y a juste le 2 dans le milieu qui l'est en vert. Je dis ça de même. Ben parce que Modern Warfare 2. Ben oui. Il aurait pu mettre en jaune, en rouge, en orange, en, en turquoise. En... Pourquoi tu dis que c'est comme Microsoft? Ben parce que vert, ça a toujours été la couleur de Microsoft. Puis ils ont été okay, achetés okay, okay. par Microsoft. Ouais, ça je faisais le lien, mais je me demandais whatever. Ben, je n'avais pas fait cet lien-là. Moi, je voyais juste Modern Warfare ouais. vert parce que ça a toujours été la couleur vert simplement. Là. Hey, merci du follow, famille parfaite. J'ai pris la peine de Fred dans le coin en bas à gauche, vu que je me nomme également right. Fred. Ah oh. oh, okay. non, pas deux. <laughs> On a ses correct. Ben, on, va, ouais. on va renvoyer celui de show on va garder lui. Bye bye, ah. c'est terminé. Ah. Bon, à moins que Fred Aster arrive dans le, dans, dans le chat, mais ça, ça m'étonnerait. Mais, bon, mais, mais bref, euh, ça. Euh, bref, c'est ça. Fait que euh, les deux nouvelles de, de, de Call of Duty, c'est ça, on sait pas. On ne le sait plus. S'il sort cette année ou l'année prochaine, parce que ça a toujours été annoncé que en 2023, il prenait une année de sabbatique, mais là, ça a l'air que la date de sortie serait en, en tout cas, fin d'automne 2022. Là, c'est un peu mêlant, on ne sait pas là, mais en tout cas, bref, on verra. Euh, avec le Summer Game Fest qui s'en vient dans pas long, on va peut-être avoir plus de réponses là, mais en tout cas. Selon, selon Call of Duty Modern Warfare 2 news sur Twitter, il nous sortirait la bande annonce le 2 juin. Ben c'est ça, vrai. mais s'il sort une bonne annonce, ça serait de sortir une bonne annonce un an avant. Fait d'après moi, il va sortir cette année. <laughs> Écoute. C'est juste que pas. ça va à l'encontre de ce qu'on dit parce que depuis le début, on va qu'on va une année puis on va le mettre en 2023. C'est vrai, c'est vrai. Puis ça arriverait Ooh. avec une nouvelle carte pour euh, la Warzone non, en plus. Fait, en tout cas. On verra bien, mais c'est comme ça. Puis euh, mon pis... autre nouvelle, par exemple, celle-là touche particulièrement les, les gens de Montréal. Euh, ben, en tout cas, les travailleurs de, de Montréal, c'est que Embresser Group, euh, qui entre autres euh, détiennent pas mal de choses dans, dans, dans le monde du jeu vidéo, ont mis la main cette semaine sur euh, Square Unix Montréal, Crystal Dynamics et IDOS Montréal. Pour ça, c'est une joke, là, je veux dire, 300 millions. C'est rien, c'est des peanuts. c'est du euh... tu sais, change pour eux autres. Là. Bon, là, les gars, faut, je veux me faire instruire là-dessus. Qu'est-ce que ça change directement? Est-ce qu'il y a un impact pour mes Final Fantasy à venir ou non? Non, pas du tout parce qu'eux autres, ils ramassent les licences seulement de doucex. Legacy of Kane, Thief, euh, Thief, Tomb Raider. Tomb Raider, ça reste à, ça reste à approuver bon, parce que c'est pas encore approuvé. C'est quand même un gros ça. nom. 50 ans d'autres, mais pour l'instant, Square Enix dit qu'ils gardent les droits sur Just Cause. Life is Strange. Hot Riders, qui a une extension qui s'en vient bientôt. Euh, le jeu d'Harry Potter, Hogwarts Legacy. Ça, ça va être bon. Ouais. Ben là, c'est parce qu'en fait, euh, ce qui arrive, c'est qu'Embrasser embrasse, Group, là, présentement, ils détiennent aussi Asmodee, Gearbox, puis THQ Nordic. Fait on s'entend que... C'est une grosse, c pas des c deux une grosse shop, normaux, là. là. Ben c'est ça. Exactement, Puis tu sais. les autres, ils viennent de Suède. Ils sont basés en Suède, puis c'est ça. Fait que là, ils viennent d'aller faire l'acquisition de, de trois grands studios à Montréal. Euh, fait que là, Tomb Raider, ça a l'air que c'est négocié, mais peut-être pas autant qu'on le pense, donc on va voir. Puis pour tout ce qui est la branche japonaise, tout ça, là, que tu parles de Square Unix japonais comme Final Fantasy, Dragon Quest, tout ça, ça reste tout ce Square Unix pareil. Non, ça n'a aucun pas, rapport. Euh... Ils ont juste fait l'acquisition de, la, de la branche occidentale de Square Unix. Ouais, si pas à pas rapport débattre, au Japon. Tu peux pas vendre Final Fantasy, ben, tout se vend, là, mais ouais, ouais. met mais ouais, moi que... dans la tête à moins Square c'est associé à Final Fantasy parce que ça, c'était la rumeur d'il y a trois semaines que Sony mettrait la main sur quelque chose d'important. C'était supposé d'être ça. Puis là, c'est un Group qui vient de le ramasser. Fait ouais. que Sony prépare quoi prochainement? On le sait pas. Tout ce qu'on sait présentement, c'est que probablement que Ubisoft serait racheté par une autre grosse firme qui serait pas euh, Microsoft ou Sony. Ça serait qui, je ne sais pas. Il y avait ben du joueurs à l'époque, euh, il y a une coupe de temps, que c'était... Euh, Puis ça a fait un char, justement, à l'intérieur. C'était qui qui voulait les acheter à un moment donné? Pis ça a tellement ouais. fait de chenoutes plastiques que même les grands boss d'Ubisoft, ils ont dû s'en pour annuler la vente. Ah, c'était quoi, donc, à l'époque? Il y a une coupe d'années, Ubisoft, t'as ouais. pas se faire acheter par une... Ah, euh, c'était quoi, non, Je m'en souviens pas c'est quoi le nom, là, mais... Bon, c'est le fun, ça. prends à ton mot de cellulaire. <laughs> c'est ouais, qui, qui, là, encore, là, qui... Ouais. Excusez, gars. <laughs> prends ton mot de téléphone. OK. Hey, non, mais est tu hein? Non, je m'en souviens pas c'est qui, mais c'était une firme bizarre qui voulait racheter Ubisoft, en tout cas. Puis Yves Guillemot s'en était mêlé. Puis il était vraiment pas content. Puis en tout cas, bref, euh, ça avait foiré cette histoire-là. Puis une chance parce qu'il voulait totalement euh, transformer Ubisoft à l'époque. Donc. Euh... Mais Calvados, que je me souviens pas c'était qui. Si bon. Puis ça avait fait tellement de la chenoute, ça, en plus. Là. Merde, ça m'écœure, je le cherche je le trouve pas. Je sais pas, je peux faire des petites recherches. Euh, alors, Bruno, à gauche, mais si ça... Que tu fais des petites recherches cellulaires. C'est parce que ça avait fait tellement couler d'en, cette affaire là ça a fait de la chicane à l'interne. Puis finalement, Yves Guillemot avait mis son piateur a dit Non, nous autres, ça pas de valeur, mais les actions, vous ne touchez pas à ça. Puis ça avait foiré, mais en tout cas, bref, c'est ça. Comme vous pouvez voir, ça bouge beaucoup dans le monde du jeu vidéo présentement, surtout les rachats de studios et tout ça. Là, une autre affaire aussi, c'est que euh, présentement, pour Square Unix, il y a quelques licences qui, qui mettaient beaucoup d'enfance là-dessus, puis ça n'a pas fonctionné comme qu'ils voulaient. Fait que là, avec eux autres pour backer en arrière, ben, c'est certains studios qui auraient moins d'argent à mettre. Ben, là, ils vont en avoir un peu plus comme budget. Puis là, ben, dites bonjour à Fred, il vient d'arriver. Bonjour, Fred, let's go! <laughs> yeah, ça sûr, va, va se dire qu'il n'y a pas de prolongation là. ce soir. <laughs> Oh! Ah. Fait que toi, quoi, tu si ne l'as pas invité? Il aurait pu faire un podcast. C'est là que je l'aurais mis le son, là. C'est là que j'aurais. Rémi... Sérieusement est recherché, là. Et... Non, non, euh, il était à bon celui-là. Même, même J'avoue que lui, euh, ouais, il était. Ben, il n'était pas drôle, <laughs> mais il était bien placé. Ouais. Mais t'as manqué notre début très, très, très recherché, par exemple, au départ. Ah, ouais. T'as pas manqué grand-chose, <laughs> à mon avis. <laughs> C'était vraiment n'importe quoi, mais comme d'habitude, je suis même encore pire. Tu parles le podcast, essaye de la parler, puis t'as un fou rire en partant. C'est n'importe quoi. Ah, mais ça, ça, ça veut même. dire que ça va être un bon show. Ben oui. Ah, oui. oui, oui ben, si tu le dis, oui. effectivement. Ben, le 5 minutes, c'est ça qu'on ben, disait aussi. Mais là, ouais. <laughs> <laughs> On n'est plus sûr. Fait que, euh, moi, j'ai fini. Il y a quelqu'un d'autre qui veut renchérir quelque chose cette semaine d'actualité. Fred, quelque chose? Ouais, ben, moi, j'ai quelque chose. Euh, Genshin Impact. Je n'ai pas fait de plan. Désolé. Hey, C'est débile. Hein? Euh, Genshin Impact, ouais. je le reviens un petit peu là-dessus. Ah, euh, sur mobile, il paraît qu'il aurait rapporté au-delà de 3 milliards de dollars pour un <laughs> mobile uniquement. 3 milliards. 3 milliards de dollars. C'est fou. C'est un jeu gratuit, Genshin Impact. Là. Mais. Pour être franc, j'y ai joué. C'est un ouais, excellent c est, c est un jeu. C'est vraiment un non, bon jeu. Ça veut que tu peux ben jouer oui, moi, longtemps gratis en plus, à plus à le plus obligé de payer. Tu... Ben ouais, ben ouais. C'est une belle exclusivité au niveau de PlayStation, mais là, c'est vraiment les chiffres au niveau ouais. du mobile, dans le fond. On ne sait même pas les chiffres sur console ouais. qui s'ajouteraient à ça. Fait c'est assez colossal comme. Euh... Comme chiffres faut... qui ont sorti. Ben, j'ai peut-être l'impression qu'il y a moins de revenus de microtransactions sur console que sur mobile, par exemple. Oui, ouais, c'est sûr. Ben, Il ouais, ben, y a -être moins d'utilisateurs déjà ouais. <laughs> en partant. Ça, c'est. Faut-tu que tu ouais, t en ben, vendes ouais, des ben, chapeaux, puis des... Ouais. des souliers, puis des petits ah, manteaux? C'est fou, hein? C'est épouvantable. Hey, 3 milliards, c'est de la. Ouais, le jeu, le problème, c'est dès que tu rentres dedans, tu as le goût de continuer. Moi, dès que j'ai mis ouais. les pieds dedans, dis, wow, c'est un monde qui sauve à toi, puis c'est fou, là. Ouais. Es, c'est carrément ça. Puis c'est pas une obligation de dépenser de l'argent. Vous allez avoir exactement la même expérience. C'est juste du, euh, du cosmétique pour la plupart. Là. Fait que, Et pour euh, un jeu gratuit, il est vraiment. Ceux qui trippent ces graphismes, là, ah, il est ouais. tellement beau. ce J'ai pas joué, moi, ce jeu-là. Je sais même pas ce ah. à ah. quoi pouvoir. Touche pas à ça. C'est parce qu'il ah, ah, est pas sur, le Game... Est est pas sur le Game Pass pour <laughs> ça que t'as pas joué. Non, mais. <laughs> ah, mais il est ça, sur est... téléphone, par exemple une tu sais, oh! tablette ouais, téléphone ça c'est bon, ça, ça mais sérieux touche pas à ça piquette c'est du crack ça tu, euh, ok c'est ouais. bon je touche pas à ça famille parfaite euh, c'est pas juste du cosmétique trois petits points qui riment ouais. non non mais je veux dire c'est ça, ça ah non, vous êtes obligé d'acheter pour avoir une expérience de jeu euh, qui, qui est excellente là. C'est pas, disait... pas un pay to win là, c'est pas ça du tout du tout du tout. Bah euh, ben, je, si je pense il des héros, tu que... des héros puis c'est un, oh, oh, peut un, peut un Kacha, comment peut qu'on appelle je... ça un... tu sais c'est beaucoup populaire au Japon Tu sais c'est des jeux où tu achètes des personnages. Des euh, des moi j'ai joué un petit peu. Non 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 non. non. Non, non, pas manga, c'est un gotcha. Ça, c'est quoi le nom? S'il si le sait, le, comment ça s'appelle? Il parfaite, je suis sûr que tu le Comme sais. Si on n'est pas des professionnels au niveau du free-to-play. là La <laughs> Non, non, non. <rire> <rire> hey, je le sais qu'on qu est dans le live et c'est à avec des pincettes parce que c'est au niveau vraiment rumeur, mais selon jeux vidéo, ça vient de popper dans mon sel. Les remakes de Wine Waker de Twilight Princess font l'objet d'une rumeur. Puis ça, c'est une rumeur qui m'excite. Parce que c'est deux Zelda. Ouais, on s'entend de quelque chose, OK? Là, le oui, bossman Nintendo, Marie, ils ont manqué vrai. le bateau. Parce que c'était l'année passée, c'est le 35e anniversaire de Zelda, puis il y a quasiment C'est vrai, c'est vrai qu'il y a pas Ils ont manqué chose. le bateau dans un an encore une fois. Euh, je ne veux, veux pas faire ma langue sale, là, mais les remakes de Nintendo, c'est hein? assez moyen, merci. Ouais, les derniers, je... là, c'était... Je ne veux plus... pas être flat, là. Mais... Non, non, mais tu n'as pas, pas encore hein. plus beau. Il était plus beau à l'époque de la Nintendo Wii U que la Nintendo Switch présentement. Vous parlez de Skyward Sword, là? Ben, Skyward Sword, Rescue, ben, c'est Même les Mario, euh, tous les ceux U, qui ont là. monté. Là? Ben, Nintendo, oui, ça la même affaire. Il n'a pas changé graphiquement. Il est un non. peu plus beau, mais c'est tout. Là. Il est juste HD, Skyward Sword, tu parles. Il est juste, plus... il est juste HD, c'est tout. Il n'est pas plus beau graphiquement. <laughs> ben, ça dépend. Il est HD si un, un, un des deux yeux, mais si tu gardes les deux yeux ouverts. <laughs> pas sûr mais bien, en, en même temps, on, veut, on peut s'en vouloir euh, Nintendo. Il, pas, il, pas, il non. fait non. juste retoucher un minimum, puis il vend 90$, pieds, ben, 80, puis il en vend plein. Oui, mais c'est C'est qui le cave? C'est moi le cave. <laughs> <laughs> comment tu fais, non, mais sincèrement, comment tu fais pour offrir, mettons, un maudit beau jeu qui est Wind Waker, HD sur Nintendo Wii U, puis tu arrives avec le partage de uh, Skyward Sword, à HD sur Nintendo Switch, puis... Il est... Ben moins beau, la console est soit d'être deux fois plus forte que Nintendo Wii U. Là. Il y a quand même un problème à quelque part. Là, ouais, mais, hey, tu parles de Wine Waker. Ben, tu... Wind Waker, ça a sorti sur Gamecube. Je l'ai acheté sur Gamecube. Ça a sorti sa Wii U. Je l'ai acheté sa Wii U. Pis si me sorte sa Switch, je vais l'acheter comme <laughs> un épée. C'est incroyable. Ben, je, avec parce que, je suis désolé. Wind Waker, c'est bien meilleur que Skyward Sword. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. 100%. Wind Waker, c'est un très bon Zelda. Là. Oui, oui. Eh oui. Hum. OK. Euh, donc, euh, y a-t-il autre chose? Dernière chose. Dernière, oui. dernière chose. Euh, oui. Bon, ça n'intéressera peut-être pas tout le monde, mais euh, moi, ça m'intéresse, donc euh, je vais ah, en parler. Oui. Euh, Bobby Kotick <laughs> n'est pas sorti quand même du bois. Ah. Euh, mais ta pièce. Bon, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais. Euh, Bonne... <laughs> ouais. Alors, okay. ok, il y a présentement une poursuite euh, qui a été déposée. Dans... Une T'es sûr Non, non, mais une en particulier. Il pas euh, 2 mettons à côté. Ouais, une en particulier qui a été déposée okay. euh, le 26 avril dans l'État du Delaware. Pourquoi l'État du Delaware Je n'ai aucune idée. Là. Euh, qui accuse Activision, euh, plutôt, qui, a, qui accuse Bobby Kotick de s'être ouais, empressé. De vendre Activision Blizzard euh, pour se dégager de toute responsabilité en lien avec les euh, problèmes de comportement à, au sein même de l'entreprise. Et euh, l'accusation, l'accusation, c'est ça qui est important. L'accusation est déposée par qui? Ça a été déposé par le regroupement du fonds de pension des policiers des enseignants et des pompiers de la ville de New York, parce qu'ils avaient des parts, eux, dans oui. l'entreprise. Oui, mais écoute, et... attends, là, Vince, oui. euh, de toute façon, si ça ne serait pas comme ça. ça va, il va être accusé au criminel de toute façon. Non, non, mais juste parce pour que... dire que je, je m'en fous de ça. Le, le procédé, je m'en fous. C'est juste pour dire que, tu sais, eux autres, c'est quand même pas des tout nus, là. Ben non, c'est euh, sûr. Hein. Il doit avoir une coupe. Demi, je dirais que ça doit frôler dans les milliards, là, le fonds de pension de tout ce groupe-là, là, euh, qui avait des parts. Et disons que les petits messieurs, les petites madames qui gèrent ça, euh, ils ne sont pas contents. Parce que probablement qu'il y a quelque chose qui a été fait à la va-vite. Eux autres peut-être qui ont, je n'ai pas lu là, tous les détails, mais probablement qui ont dû se dire « Regarde, tu es allé trop vite, on aurait peut-être pu avoir plus ». OK. Ouais, mais là, euh, il est un peu tard, pareil. Non, je le sais, mais peu importe. Tout ça pour dire que probablement, peut-être qu'ils vont gagner, peut-être qu'ils ne gagneront pas. Mais là, n'est pas la question. C'est, quand on commence à jouer dans les, les ligues ultra majeures et qu'il y a des milliards de dollars en jeu, là, tu as tous les, les regroupements possibles et imaginaux qui vont essayer justement de, de faire valoir leurs droits pour dire, hey, nous autres aussi, on, on a une part là-dedans, puis euh, il y a de l'argent qui nous revient et ainsi de suite. Je trouve ça, là, on va nous entendre parce qu'il n'y a pas juste eux autres, là, il n'y a pas juste la, la vente d'Activision de, 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 de Blizzard, mais il y a aussi le fait que Sony a aussi son lot de problèmes euh, avec l'acquisition la, la, de Bungie, de ce que j'ai vu, je n'ai pas tout lu les détails, mais. On envoie là, des gens qui lèvent la main et des regroupements pour dire ouais, ce que vous avez fait, n'était pas correct, puis on n'est pas content. Puis, euh, fait que ça, une, une binerie SFI qui aurait acheté là, une petite patente à 50 000 sur le coin de la rue, on n'aurait jamais entendu parler ça ne serait jamais ouais. rien passé. Mais là, ouais, ma dès qu'on commence à jouer dans des gros, gros ouais, montants d'argent, Fais juste, là, fait ça juste finit. Dire vite, Moi, je vois... Euh... Qui, juste... Non, dire non, dire ben, je vais faire, va faire, va faire un résumé de ses actions. Parce, parce que Vivib... Trop il... drôle, okay, ouais, pas... euh, oui, oui, non, mais Vivib, il demandait okay. c'était qui, c'est pas... Ouais, ouais, Bobby c'était l'ancien CEO d'Activision Blizzard, mais il l'est encore. Il est accusé de plein de trucs. Non, mais attends un peu, c'est plus que ça. Dans le fond, il est accusé pour climat toxique, pour harcèlement sexuel. Pour... Euh, ça, c'est le même estique d'imbécile qu'à qui a dit Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Hey! Si on prenait toutes les cinématiques d'un jeu de Call of Duty pour mettre ça au cinéma pour en faire un film, ça serait cœur, hein? C'est le genre de cave de même. C'est ça. Tu sais, il y a, y a comme lui, il y a Dieu, puis après ça, il y a le reste du monde. C'est ça. C'est lui, Bobby Kotick. C'est le cave de chaque Activision. Qui, qui, qui est tout sauf brillant et intelligent. C'est vraiment un, un manche-marde, finalement. Bon, ils n'ont pas peur des mots. C'est ça. Ben, tu vois, il va perdre sa job, Noé. Il va partir. Il va partir avec un ouais. gros magot, mais il va partir. Okay. Toute Je toute pense pas que, que parles... Microsoft. Impossible que Microsoft garde hey, ce gars-là. Non. non, non. Tu penses -tu vraiment que, 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 que voyons, Phil Spencer voudrait travailler avec ce gars-là? Oublie ça, jamais dans 100 ans. Jamais, ben non, ben jamais. Juste l'image de la marque. Pour vrai, ben. actuellement, à part des petites choses, il y a eu des petites choses dernièrement là, au niveau d'un studio là, de Unded À part ouais, ça, là, vrai, il y a ouais. une très belle image depuis des années Microsoft au niveau du gaming. Là. Puis je pense qu'ils veulent rester comme ça. Là. Ben, ben, Ils veulent pas ça, avoir ça. justement un gars comme ça qui peut causer des problèmes ah. ou quel... qui va aller fouiller dans son passé et que ça bizarre, Ben oui, bien, ça peut dans n'importe quel domaine, tu veux pas avoir non, un gars ça, associé, ça, associé à des plaintes comme ça. Regardez juste ah. au hockey, exemple. Tu sais, jamais comme l'histoire du repêchage du jeune, tu vas me le dire. Ouais, gars, Logan Mayu, là. Ah, c'est ça, Logan Mayu. Ouais, ok, est, on est ailleurs, on est ailleurs, je suis d'accord. Non, mais là, là il a fait tout erreurs dans sa vie, on va-tu le crucifier jusqu'à la fin de ses jours? Je ne le comprends pas nécessairement. Je donnais un exemple concret. Sur autre chose, peu importe le domaine, mmh. tu ne veux pas t'entourer de gens qui ont des hey, plaintes de graves dans le monde. Ok, tu veux rester dans le sport. C'est plus grave ce que Logan Mayu a fait ou ce que Ribeiro il a fait présentement? Là? Ribeiro, ça oh, fait deux fois que tu fais accuser au criminel pour des agressions te dis sexuelles. Je sais pas que c'est correct, là. Écoute, je, je voulais pas bâcher contre maillot. Moi, je m'en fous, je ne sais même pas ce qu'il a fait. Là. Okay, je le sais que c'est pas cool, mais regarde, bref. Ben, il a pris il a, une, il une photo a, il a couché, de il a avec une fille. Ouais. Il a couché avec une fille, il a pris une photo, il a, mis ça, il a, il a envoyé ça à ses amis, qu'eux autres ont partagé ça. Ça, t'as pas le droit de faire ça. Sauf que, OK, c'est correct. Il l'a payé sa dette. Là. Oui, il est allé fait, en cours là-bas en Finlande. Il a payé l'amende. La, la C'est ça. C'est fait. Il faut revenir à un moment. Donné, il a fait des erreurs de jeune. Qui qui n'a pas fait des erreurs dans sa vie de jeune? Les gars, je ne vais pas vous partir sur <rire> le <rire> sujet Logan <laughs> ouais, Mayo. <laughs> je faisais un comparatif dans le sens. En tout cas, oui, le domaine que tu es, tu ne veux pas être associé à un gars de Non simplement. C'est bon, on passe à autre chose. C'est sûr. Avant de changer, t'avais-tu fini, Vince? Oui, oui, oui. Non, okay. fini, non mais j'ai ouvrir une parenthèse avec Vince, avec sa nouvelle. Alors, on va revenir sur Bungie et Activision, tu sais, les deux rachats qu'il y a eu dernièrement. Yes. Il paraît que, je viens de recevoir ça, là, le, mm. il paraît que la Federal Trade Commission a ouvert deux enquêtes sur les deux acquisitions. Mm -hmm. Fait que ça se peut que, c'est sûr que ça va passer quand même. Mais il à. De la jalousie, c'est débile. Là. Non, non, mais pour les deux, pour Sony et ouais. pour Microsoft, pour les deux, ils disent qu'ils commencent à s'intéresser aux jeux vidéo parce qu'il y a des. Ben il ouais, y a Tencent, parce... Sony, Microsoft qui commencent à être gros, là. Fait que, bon, mais à ta et... minute, euh, toi, t as, t as, tu as eu la nouvelle de cette semaine, ce que j'ai dit tantôt, Embracer Group, qui vient de ramasser euh, la branche occidentale de Square Enix. Pas, ben pas oui. euh, au Japon, oui. mais bon, Non, mais, non, mais, mais ils l'achetaient avec Gearbox, un fond de tiroir, là. Ah, 300 autres, millions, j'en reviens 300 pas. millions, c'est de l'argent de poche. Mais ils, ils ont ramassé aussi il n'y a pas longtemps Gearbox et THQ Nordic. On s'entend qu'ils les autres, c'est commencé à être gros, un hein, Brussels Group. Là, oh, oui, oh, il commence à être gros. Ça. Ouais, un endroit ils ont, ils 10 000 à employés. C'est mm -hmm. ça. Que, mais, euh... mais ça, là, cette affaire-là, là, sérieux, moi, je ne comprends pas une compagnie comme Square Enix. C'est juste Tomb Raider vaut plus que 300 millions. Fait que je ne comprends pas cette acquisition-là, cette vente-là, à ce prix-là. Je, 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 mais... je pense que... Je pense que t'as comme Square Enix, c'est Montréal, et tout ça. Ils ont ramassé Crystal Dynamics, Square Enix Montréal puis Idos Montréal. Je pense que la branche occidentale de Square Enix, c'est pas tant. Eux autres, là, ils ont gardé quand même Dragon Quest, Final Fantasy, euh, non, non, le nouveau jeu d'Harry Potter qui s'en vient. Fait que les plus grosses licences, ils les ont gardées pareil. Parce que TF, on s'entend que c'est pas une super grosse licence, mais... Ils ont, ils ont ramassé quand même 50 autres petites licences, quand même, avec ces 3-4 lots. Non, mais c'est pas cher quand même. Là. Il y a, il y a, euh, non, il y a non, quelque chose sais. qui ne marche pas. Là. Avec tous les rachats qu'il y a eu dernièrement, là, qui est beaucoup plus élevé que ça, 300 millions, c'est rien. Là. Dans mais le mais ça va idéal, juste... là. Ça, ça va juste donner <laughs> beaucoup plus de budget plus, mettons, au studio de Montréal pour développer d'autres jeux avec plus d'envergure et tout ça, parce que oh oui. jamais dans 100 ans, jamais dans 100 ans Kaidos Montréal a passé à avoir un succès comme qu'ils ont eu avec Marvel, euh, euh, Guardians of the Galaxy. Euh, jamais qu'ils ont passé ben ça, à avoir un succès de même. Excuse-moi, il n'y a pas eu de succès, Guardians of the Galaxy. ça n'a pas marché, un, ce jeu-là. C'est un échec commercial, ce jeu-là. C'est un échec commercial. Ça a redonné mm. un peu... Ça est ben, revenu en vue un petit peu avec le Game Pass. Ils l'ont dit qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué via le Game Pass. Mais avant, le Game Pass, c'était un échec total. Je ne te dis pas de la qualité moi, parce du... que Moi, tout non. le monde que je connais, ils l'ont tout acheté. Oui, mais, tu tu connais... que... ouais, mais même si tout le monde l'a acheté, il y a des milliards de personnes sur la Terre. S'il y en a euh, des millions qui ne l'achètent pas, moi, je te dis juste que c'est un échec commercial. Ils l'ont ben, dit. Ils ont passé à côté d'un maudit bon jeu. J'ai joué, je trouve super bon. Ben, moi, ben, je l'ai joué dans le ouais. Game Pass. J'ai trouvé très bon, personnellement. Ah, mais c'est correct, ça. Ça peut être un échec <laughs> commercial, mais que tu l'as trouvé super bon. Ça ne veut pas dire que parce ben oui. que la société a non. décidé que ce n'est pas bon, qu'on Oui, de oui, c'est ça, ça, je dis. Non, non, ça, non, parce que eux autres, ils se fixent un objectif. Ils se disent, regarde, on va payer une grosse licence, on va aller chercher la licence des Guardians of the Galaxy, on va faire un jeu dessus. On estime que si on, on va vendre 5 millions, au moins exemple, 10 millions. <laughs> Veux-tu me si garder quelque chose, Si il y a 23, bien, garde, c'est un, un échec. C'est ouais, sûr. Ben oui, c'est tout Sais-tu d'où vient l'échec? C'est bien facile. C'est comme le premier jeu de Marvel qui ont sorti il y a deux ans. C'est la même affaire. Si t'as ah. pas les vrais personnages, t'as pas les vraies voix. Ça, ça non, a tellement été décrié. Non. Là. Ouais, ça, je tellement que, oh. Non, c'est parce que les oh. gens, oui. quand ils ont vu Guardians of the Galaxy, ils pensaient que ça va être comme les Avengers, ça va être de la merde. Fait qu'on ne l'achète pas. Oui, mais Donc, attends, c'est ça. Que ça. Qu Sauf que c'était quoi fou. la première critique quand la première bande annonce de Marvel Avengers est sortie il y a un oui, années au A3? Euh, mm -hmm. C'est pas les vraies voix, c'est pas les mêmes personnages, ça a les poches. Ça avait été les mêmes personnages qui avaient payé les licences, les droits, là, ça aurait été. Euh, il aurait vendu bien plus en partant. C'est drôle, mais. gros échec encore. <laughs> J'ai jamais <laughs> entendu personne dans aucune critique, même avec les gens que je parle qui ont joué au jeu, qui ont parlé des visages des personnages. Aucune personne. Tout le monde me dit que l'histoire était bonne, c'était drôle, le gameplay était bon, tout ça, mais il n'y a jamais personne qui me dit que non, les visages allaient déranger. Puis j'ai trouvé bon parce qu'ils ressemblent au comic book. Oui, c'est ça. j'ai trouvé ah, ça correct. Ah, tu sais? ah, sincèrement, moi puis vous autres là, je veux dire, est-ce qu'on s'en fout là Si, si oui. les personnages ne ressemblent pas là. Mais oui, on s'en fout. Qu'avance que je m'en fous Honnêtement, ah, Spider-Man, il ah, y a un masque d'en face. Là. <laughs> non, mais c'est plus Thor, Captain America, tu sais, ces gars-là. Ouais. Tu sais, je comprends un peu le monde qui ont une un image dans leur tête, tu sais, qui viennent ces personnages personnage-là. De... Ça fait ça. 10 ans qu'ils voit Thor, Tide, Chris Hemsworth. OK, hein? mais tant qu'à ça, les bandes de dessinées ne ressemblent pas aux des films d'abord. Je veux dire, ils étaient là avant. Oui, c'est ça, exactement. C'est quasiment une chance aussi, des fois, qu'ils ne se ressemblent pas dans le film versus la bande dessinée. Alors, oui, je comprends, mais c'est parce que déjà là, tant qu'à ça, c'est pas qu'une critique de même. C'est pas pareil. Ok, c'est correct, c'est beau. Mais tu arrêtez Je veux dire. Mais, arrêtez, mais, un donné, mais Marvel fasse. Avengers, c'est le, le seul jeu que j'ai entendu ça de ma vie, moi, Marvel Avengers. Alors, Marvel Avengers, le, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de contenu. C'est ça l'affaire. Tu fais toujours la même affaire, c'est redondant. Moi, je l'ai racheté ce PS5 quand j'ai acheté ma PS5. mais Ça, ça me fait un beau jeu ce PS5, c'est correct. Tu sais. Je l'avais dans monté. Game Pass, puis je l'avais reçu aussi. Non, mais je l'ai voulu en version boîte. Tu sais. okay. Je l'avais reçu pour okay. faire la critique de, 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 de Square Enix Montréal. Mais je vu là vers son boîte, puis il t'a sorti ce PS5. Wow, 5 Moi, j'étais un fan de ces jeux-là, j'aime ça. Tu sais me promener partout, euh, chercher partout, des petites missions. Mais Guardian of the Galaxy, c'est comme Marvel Avenger, mais fois 100 000. C'est pas mon affaire du tout. Dom, Fred, Mastah, je pense que vous avez joué les trois. Moi, je n'ai pas joué, mais je veux savoir, le, jeu -là, ce jeu-là, est-ce qu'il est construit de façon qu'il va aller chercher vraiment un public cible général ou vraiment les vrais fans Marvel? Ben, de Marvel? Lequel? Ben, c'était Non, Guardian of the Galaxy. Sûr. C'est ça. Si tu as aimé les films, tu vas triper sur le jeu, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est que... la même ambiance. Okay. Parce mais que fait... c'est pas, par exemple, c'est pas copier ces films. C'est comme une histoire à part. C'est ça qui est pas pire au moins. T'as pas l'impression mm -hmm. de, tu t'es tapé le film, tu dis, voilà, je refais ma face. Parce que même... moi, j'ai comme ah, le feeling de non, parler si des pas personnages pas, de... qui se ressemblent pas. Ben je me dis ça, on dirait que c'est peut-être plus Monsieur, Madame, tout le monde qui aiment un peu les super héros, mais qui sont pas nécessairement vraiment fans, ce que ça peut déranger. Parce que si t'es vraiment fan de l'histoire, des personnages, tu t'en fous carrément que ça ressemble pas. mettons là. mon point de mais... vue. Mais c'est pas le problème? C'est que. Non, pas les gens, ils ont Vincent. tellement parti négativement avec Marvel Avengers. Ils ont tellement parti négativement avec Marvel Avengers que se sont dit, ouais, ben là, un autre jeu Marvel, ouais, je suis pas sûr. Puis ça a déjà parti négatif en partant. Ça fait que, t'as déjà mort dans l'œuf. Mais moi, je comprends pas parce que ce jeu-là, il, il, il Les dialogues, les, les personnages, quand ils se parlent, c'est drôle. Il y a plein d'humour là-dedans. Il y a même affaire faire que des films, les, les espèces de. de, de, de Hommage aux années 70-80, c'est mongol là-dedans, tu sais, le jeu, il y a vraiment une... Comment je peux dire ça non? Il y a son style à lui, tu sais. il n'y a rien de copier ses autres, c'est ça qui est ah. le fun. Puis non tu sais, avances dans le jeu, puis tu sais jamais à quoi t'attendre, tu ne sais pas ce qui s'en vient. C'est ça qui est le fun dans ce jeu-là. C'est trop des surprises par-dessus surprise? Ceux qui n'ont pas joué ceux qui l'ont bâché, mettons, sans y avoir joué, y avoir joué 2 trois heures. dans le une autre chance parce qu'il est vraiment bon, ce jeu-là. Il est dans le Game Pass, les amis. Let's go. et oui, en plus, <laughs> c'est ce que vous voulez de plus, Simonac? Il est dans le Game Pass. Mais ma ma ça, t'avais pas l'air d'accord. Dis-moi ce que tu allais dire. Non, non, mais euh, premièrement, d'après moi, Fred, t'as des portes. Oui. <laughs> non, moi, c'est question... Non, non. Non, dire, non, mais Fred... quelqu'un qui me dit que c'est pas ouais. un bon produit, il est mieux d'amener ses clics puis ses claques non, non. Pour... parce que je suis prêt à le confronter. Non, mais bah Quelqu'un le... qui me dit... Quelqu'un qui me dit que c'est pas, tu sais, qui aime se jouer à deux jeux par année, tu sais quelqu'un qui joue à Call, puis tu sais, tu sais que joue à oh, petit jeu, correct, je jouais je comprends. Mais quelqu'un qui joue à beaucoup de jeux qui vient me dire que c'est pas un bon produit ouais. t'es mieux d'amener. T'as ouais. une bonne raison. Là. Et je voilà. vais essayer de me convaincre parce ouais. que la semaine passée tu n'étais pas là, mais on a parlé justement de, la... on a eu les, les prix officiels au Canada du euh, PlayStation Plus. Qu'est-ce qui s'est c'était au mois de juin là? Ça, j'ai mon avis là-dessus. L'offre est tellement encore en deçà de ce que Microsoft offre pareil. Je pense que Fred était là Attends une minute. On Ben, là-dessus, mais t'as pas les jeux sur PC, t'as pas le play quasiment tous les mêmes jeux que t'as sur Xbox. T'as pas MLB de show. les fans de c'est important. Moi, la 6, seule affaire, puis... ouais, c'est. Hein. Ouais, ben, MLB, ça, c'est bizarre pareil à vous. là. Sur PlayStation, ben, qui est faite par que... Sony PlayStation, le jeu, tu le payes 90$ ouais. piastres, plus taxes, puis sur au tu l'as dans le Game Pass. C'est weird. Moi, c'est Qu'est-ce que, que je pensais, que par exemple <laughs> Moi, je pensais qu'ils le mettraient, mettons, deux, trois mois, début de la saison, puis il l'enlèveraient après. Non, ils l'ont laissé jusqu'à temps que l'autre t'ait L'autre sort. Ça ouais. va être comme ça à chaque année. C'est sûr, ça, d'ailleurs, à chaque année, c'est MLB qui C'est euh... C'est quand cool quand même qu'ils ont passé à faire ça. Puis première année qu'ils sort sur Nintendo Switch puis c'est un bon produit en plus. Fait qu'un hey, bon jeu portable, ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu ça sur une console? Ça fait longtemps, en non, Je m'en souviens même pas, c'est quand la dernière fois. Là. Mais sauf que, tu sais, tu dis que c'est en deçà. C'est sûr c'est un produit qui est nouveau aussi, t'sais. Il faut le comparer au Game Pass quand il venait de sortir, par exemple. Oui, mais ils n'ont elle... pas de jeu D1 non plus comme Microsoft, tu comprends-tu? Sans encore là ce ouais, il il en a Bat. En oui, mais ils n'auront quelques... pas de souvenir, pas... ils n'auront pas de... Ils Je, je de... sais, ils l'ont dit qu'ils n'étaient pas prêts d'aller là tout de suite. Ben, C'est ça. Mais moi, je te... il l'a dit, il n'est pas prêt d'aller là tout de suite. Ça ne veut pas dire que dans cinq ans, on ne sait pas il... qu ce qu'il va. Arriver. Ouais, mais dans cinq ans, peut. tu penses que le Game Pass va être rendu où? <laughs> non, mais Sony, leurs leur, leur clients sont extrêmement fidèles. On va leur donner. Là. Le monde sont okay. prêts à les payer, les jeux. Puis la journée qu'ils vont mettre leur Day One dans leur PlayStation Plus extra, là, ils vont dépasser le Game Pass. Ça, c'est sûr Veux-tu en fait... Veux me dire de quoi? Sony, de toute façon, il n'y avait pas besoin de ça, anyway. <laughs> Leur, leur clientèle est fidélisée depuis je ne sais pas combien d'années. Il me semble que tu sais, ça. Sam, ça faisait longtemps. Je m'ennuyais de ça, là. tu sais, une petite discussion comme ça entre Fred et Doum. Ah mais c'était vrai! mais ils ont tellement abandonné l'affaire, je veux dire, euh, qui se rappelle du PlayStation Home à l'époque, ça la PS. Ah oui, oui. Je sais, hey, mais... ça a été six ans en version bêta, ça n'a jamais sorti non, oui, en mais version pas... régulière finalement. <laughs> Pas... il ouais, a oublié que ça existait. Non, mais, non, mais ça ressent bien faut... hey. tu, ris... tu ris du PlayStation Home. C'était précurseur. Ben là... Non, mais avec le, le PSVR2, qu'est-ce qu'ils veulent hey. faire? Là. Mais ça? Ça s'en ah, va, souvenez... va, okay. le... va tout là. Tout s'en va là. Le multivers. Vous vous souvenez à l'époque. Ça s'en va tout là. Avec le multivers tout, ça va être quoi, tu penses? Ça va être C'était quoi le but de sonner avec le PlayStation Home quand ils l'ont sorti? Est-ce que vous vous en souvenez? Oui. Ouais, c'est pour que le, les gens se rendent compte avant d'aller jouer un jeu. C est, c est, tu sais, oui. ça va être quoi le multiverse? Oui. Sauf selon toi, que, attends, tu si, vas être si populaire que ça. Là. Ça, ça va être ça, c'est PlayStation Home, mais ça va être ça. en 2023. Exact. La vraie utilisation du PlayStation Home, c'est à supposer d'être tu veux jouer à Uncharted, ben, tu passes par le hub d'Uncharted, tu te connectes, tu vas jouer au jeu d'Uncharted. C'est ça qu'ils voulaient faire. Hey, hey, le monde n'a pas le, le temps à perdre à ce point-là. Hey, J'ai pas fini. <laughs> C'est qui temps dans le Moi, pense. je l'avais essayé avec le premier Uncharted, ça m'avait pris 22 minutes de me connecter et rentrer dans le jeu. Wow. Je dis, ça me prend deux minutes de mettre le jeu dans la console, puis ça marche non, tout de hey, suite. À quel ça, quelle époque, ça, marché, hein? hey, ça fait 15 ans de ça, Dom. Ben, tu sais, la technologie a avancé. Là. Ils ont abandonné la PlayStation Vita, qui est une excellente console. Il aurait dû en faire au moins une deuxième, quelque chose de même, mais ça reste une, la meilleure console portable que j'ai eue dans mes mains à date dans ma vie. Là. Puis, s'il n'y a rien qui égalait égalé à ça à date, il y en a, un plein d'affaires Sony. C'est pas la première fois que ça Ah, arrive. regarde, ils ne sont pas tout seuls, là. Puis, Station Home, ouais. c'était le futur MIRC, mon homme. MIRC? ICQ. Tu plein rappelles ça. Hey, cool, hey, je pense que... Ok, c'est beau, hey, on, a, on, a, on, a perdu, on a assez perdu du temps dans le niveau 1. Là. On ben, a battu le premier boss, je suis arrivé. Là. Ouais, ouais, ah, ouais, on ouais. Eu. <laughs> Monsieur Elton Ring. <laughs> ouais, ben, Fred. Quoi? Parce que t'as pas pu jouer, on était sur le PlayStation, nous autres. Il n'était pas dans le Game Pass, fait que t'as pas pu le battre avec nous autres. Là. Ah ben oui, c'est vrai. Ouais, mais j'ai la PlayStation ouais. aussi, hein. Fais attention. Ouais, mais il n'y a pas le Game Pass dessus. Ça t'intéresse ben, pas. Hey, J'achète je, des jeux. Non, c'est pas vrai, j'ai loué à la bibliothèque. Il est louf. C'est ouais, ça. C'est <laughs> bon, ça. Pour bon, moi, il est en merde. C'est ce qui est spécial, hey, ce gars-là. Ça fait, ça, fait <laughs> ma... ça fait 7 mois, que j'ai ma PS5. Puis j'ai acheté zéro jeu. Mais j'ai joué à Retournant, à Spider-Man. J'ai ah. joué à Rachet and Clank. J'ai tout joué à tous oui. les jeux. Mais j'ai pas payé ça. Mais sa... ben, c'est Mais c'est parfois. Il y a des cheap, tu sais. Non, non, ben, pas mais, mais question de cheap. cheap. Il n'est pas cheap. Il, il est intelligent. <laughs> ben, il fait attention, <laughs> puis c'est correct. Oui, oui, non. La game, Pass a... euh, niveau PlayStation, c'est la bibliothèque. C'est ben, encore voilà. <laughs> ben, moins cher. C'est gratis. Puis ça, à un moment donné, il va falloir justement peut-être faire un podcast dédié à ça. Fred, je regarde dans ta direction. Euh, ouais. <laughs> comment jouer pour pas cher? Oh, ça, bon, <laughs> ben, non, mais sérieux. Puis tu t'abonnes. Abonne-toi mm -hmm. là au Epic Game à Steam, à tout ça. Oh, à oui. Attends, t'as toujours des ben, jeux gratuits qui pop une fois par À chaque semaine, il devrait avoir l'astuce de Fred. <laughs> là, sur <ce rire> Twitter, il pop. Bon, à ton nom. Il 4. Qui vit, tel jeu ne pas le jeu, le <laughs> jeu. Aujourd'hui, il va être semaine? gratuit. <laughs> c est c est gratuit cette, gratuit. Semaine. <rire> gratuit <rire> cette semaine. Gratuit cette semaine. tu dis bon. ça. Tu dis ça, mais ben j'ai quand même acheté Elden Ring Dying Light 2 ben à Québec, ça m'a coûté 200$. Ouais, mais deux non, mais tu sais, c'est là que tu te rends ouais, compte. Ben, attends, si rentable dans, port, dans ton puis... argent, c'est long ces jeux-là. C'est rentable en maudit comme investissement. Ben, c'est long. Le... Elden Ring, là, y a pas, je ne vais pas rentrer dans mon argent. Là. 130$, heures c'est pas assez. C'est quoi ce bruit-là? C'est chez Piquette. C'est Piquette es ça, qui est échappé. Son moi, sac de... Le bol de céréales il est tombé à terre. <laughs> T'as-tu échappé? échappé ton dentier? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon enfant. Désolé. <laughs> il n'est pas obligé C'est bon. il a juste échappé il, un poids. Il peut échapper euh... son enfant. Échapper un enfant? <laughs> il... Oui, ça devrait <laughs> <à> faire des <rire> <rire> Pour l'audio, ça, c'est du muscle. <laughs> <C> T'as <'est rire> pas 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 c'est ça, je disais, Piquette, euh, tu sais, j'ai payé 90 pièces à Elden Ring, mais je pense que je pas rentrer dans mon argent. Après, 130 heures. Ouais, ah, <laughs> <Ouf>. Juste 130. <laughs> ben, je pensais que c'était 150, ans, je suis allé voir, puis je 130 <laughs> De... De... 38% de la map, ça, À 130 heures, tu as passé partout. As pas... Tu non, 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 pas... Non, non, es bloqué, ça, ouais. non. c'est... Ok, c'est ça. Il y a mais un truc de, de plus facile. Speedrun. Speedrun à 130 mais... heures. Speedrun à Non, mais j'ai fait <laughs> pas mal de. <laughs> Je te dirais, j'ai fait pas mal de zones. Vraiment beaucoup. J'ai fait au-dessus de 100 boss. J'ai fait 100 boss. Je, peux, je pourrais refaire comme. Parce que vu que j'ai fini le jeu, je peux comme retourner me promener, battre les boss que j'ai pas fini. Je vais le faire maintenant. C'est juste qu'après 130 heures, j'avais hâte de jouer à d'autres choses. Oh, ouais, la la de année, année. Non, Destiny <laughs> 2. Pas moi pas sur Destiny 2. Que... <laughs> non, Destiny que... bon Ok, ah, niveau 2. Euh, je joue oui. Critique parce qu'il faut avancer. Euh, donc, euh, moi, j'ai joué à deux jeux. Il euh, y en a un que j'avais joué à l'époque de Nintendo Switch, ça fait un bout de temps, je pense que c'était passé qui s'appelle Hayo the Cloud. Ben oui, c'est ça. Je me rappelais que tu avais, pa avais parlé de ça. Oui. puis mm -hmm. Super beau jeu. En tout cas, j'arrête là. Mais... Ah ouais, mais hein. Mais à l'époque, il était juste... Euh, il, était dévelop... ben, il est développé par le studio indépendant Cloud M1, mais il était publié par Cloud M1. Mais là, étrangement, vu qu'il est rendu sur console, euh, disons... Euh actuel, dans le fond, de la nouvelle génération, on peut dire, ben là, il a été euh, publié par East Asia Soft, quand même, qui n'est pas une un, un petite firme de rien du tout, hein. Fait que ceux qui ne connaissent pas IODAClown, c'est un jeu de plateforme, c'est un jeu en solo uniquement, c'est disponible maintenant sur PC Nintendo Switch, euh, PlayStation Xbox, il est disponible sur tout ou ouais, à peu près. C'est version téléchargeable seulement, donc il est pas version boîte. C'est bien j'aurais mis ça, mais le en version boîte. Offert avec voix en anglais, menu tout suite en français. Euh, donc, grosso modo, l'histoire, c'est IO, qui est un petit clown qui est dans une ville, qui est tout, tout le monde est heureux là-bas. à par année, donné, ben, il joue avec son chien beau. Ouais, il s'appelle Beau, c'est pas parce qu'il est beau, là. il s'appelle BO. Il joue, il se fait du fun, ah ah ah, tu sais, puis les autres, ils font partie d'un cirque il pratique des trucs de ça, puis à un moment donné, son chien, il disparaît. Fait que là, ben, il, il sait pas trop quoi enfin, faire, il dit, ouais, ben là, mon chien a disparu. Là. Fait que là, ben, il passe à la recherche, c'est ça le jeu. Fait que, ouais. Fait que là, ben, c'est un peu comme un genre de Mario, en fait, c'est que tu promènes de niveau en niveau, puis tout ça, mais. Ça l'intègre plein d'affaires de clowns. À un moment donné, tu peux frapper des ennemis avec un marteau qui fait c'est comme dans des clowns. Euh, les points de sauvegarde, c'est des euh, petits bonhommes qui te regardent et qui te sacquent une tarte à la crème dans la face. C'est plein plein d'affaires la même. C'est hyper clown, familial. Est-ce que j'ai une question il ah, n'y a rien de violent là-dedans. Pis... Non, non, oui? euh, ça oui, va Dans le fond, ma question, c'est juste euh, le contrôle et le gameplay, ça te fait-tu penser à l'État Big Planet ou pas pas tout? Bien, c'est dans le même style. Je veux dire c'est Mario, ouais. c'est le tablanète. Enfin, peu mais peu... Mais le... Oui, mais par contre, attends un petit peu. Il y a une affaire que ça, j'avais décrite à l'époque parce que tu sais, on a tellement des patterns, nous autres, d'intégrer dans notre tête qu'on est toujours habitué de pèse sur A, sura sur A, pèse sur A, ça change. Tu te trop du A. Le B, c'est toujours mettons pour okay, reculer, changer les options de faire même. Là, c'est le contraire. Si tu veux mettons, parler à quelqu'un, c'est B, si tu veux mettons interagir, c'est B, c'est pas A. Fait que là, ils ont fait la même affaire sur Xbox aussi. Il l'avait fait sur Nintendo Switch, c'est okay. affaire, mais bon, une fois que tu, tu, tu y passes à un manice correct, puis c'est quand tu commences à sauter dans le jeu au deuxième niveau que là, ça prend tout son sens parce que tu as plus d'options. Là, tu peux, mettons, décider de sauter plus avec un ballon. Fait que là, tu t'envoles avec un ballon. Fait que là, tu voles un peu plus, mais ton ballon, il peut péter. Mais à chaque fois que tu finis, mettons, un niveau, as un, un, ben, une zone, tu un boss, tu bois le boss, tu te remontes dans une espèce de ville qui sert de hub principal au jeu. Puis là, ben, tu peux acheter différentes affaires comme ton ballon, tu peux l'avoir plus gros. Tu peux avoir ton plus gros marteau. Euh, c'est un peu comme Zelda. Si vous voyez, mettons, ceux qui le voient la vidéo, là, en haut à gauche, tu as des cœurs, mais si tu te fais que trois fois, tu meurs. c'est comme dans Mario, mettons. Il y a des vies de un peu partout. Il y a plein d'affaires de cacher dans le jeu. Au lieu d'être des sous, c'est des gemmes que tu accumules. ces gemmes là ça sert à acheter des choses justement dans le village. Les chose des choses que tu achètes ce qui reste pour toujours <laughs> ou c'est pour t'aider au niveau suivant? Non non c'est pour toujours tu l'as avec toi tout okay. le temps c'est ça mais non puis tu sais puis évidemment comme dans tous les jeux de ce style là ben plus t'avances plus que ça devient plus difficile c'est sûr tu mais c'est tellement le fun mon gars ce jeu puis il est beau en plus il est super beau ce jeu là c'est fou là puis euh, non non moi je le recommande à tout le monde pis, regarde vous allez voir là je vais le passer puis paf une tarte à la crème dans la face tu sais c'est ça ça c'est le point de sauvegarde, tu sais quand t'es rendu, tu peux sauter, tu peux éviter. Fait que ça sauvegarde pareil, c'est juste que la balle se ramasse la tarte à la crème la face au lieu que ça soit toi. <laughs> fait que c'est ça. Mais euh, la seule affaire que j'aurais aimé, par contre, qu'ils n'ont pas fait, c'est que tu ne peux pas jouer dans les dimensions. T'sais, tu peux monter, tu peux descendre, mais tu ne peux pas aller en arrière et en avant comme ton Yoshi ou les Planet, justement que tu parlais tantôt. C'est vraiment mais du 2D ouais, point. C'est pas du 2D point. Final. Ouais. Mais c'est du calvose de beau 2D, par exemple. Ils ont vraiment fait quelque chose de beau, là, vraiment. Là. Puis ouais, moi, puis... je le recommande vraiment à tout le monde. Il n'est pas cher non plus. Là. Fait que, moi, honnêtement, c'est un, une maudite belle surprise. J'avais joué à, à, à sur Nintendo Switch, puis j'y rejoué avec plaisir sur Xbox. Puis euh, toujours aussi le fun avec ce jeu-là, pour vrai. c'est là que tu te rends compte que, tu un, un jeu pour être beau, tu n'es pas obligé d'avoir du détail à pu finir, non? là. Puis, euh, tu sais, c'est vrai, il a son charme, que... hein? Ouais, 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 ouais mais ça, ouais. mais en, mais en. Sérieusement, c'est euh, vraiment un calvas de bon jeu. Pour vrai, moi, je recommande à tout le monde, sincèrement. J'ai hâte de voir le prochain jeu de ce studio ça va donner quoi? Parce que si, si il est parti au début juste sur PC Nintendo Switch, puis là, ben, Xbox, PlayStation, ils ont voulu l'avoir, mais c'est parce qu'ils ils savaient qu'il y avait quelque chose de bon entre les mains. Là. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner en tout cas côté, mettons, euh, dans un an, mettons, ça va donner quoi? Là? Parce que oui, il n'y a pas grand gens qui te connaissaient peut-être parce que s'il n'y avait pas de Nintendo Switch ou quelque chose de même, mais là, maintenant, euh, c'est ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner plus tard, de voir le prochain euh, projet de ce studio-là, mais moi, en tout cas, honnêtement, c'est méchante belle carte de visite le studio pour vrai, là. Fait que, euh, ça va être euh, Mettez-le dans votre liste de souhaits, peut-être. Puis, fais l'achat à un moment donné pour au moins encourager le studio parce que moi, j'ai. Présentement, je pense, je ne suis pas sûr, je pense qu'il est en spécial présentement. Euh, sur Xbox, en tout cas, là, il me semble, quelque chose de même. Je vais aller voir vite, vite, là, mais euh, c'est sûr je que ça marche déjà parce que mon compte est actif. Ouais, est, si la page finit par le télécharger à un moment donné, ce sera le fun. Ok, euh, ouais, vous possédez juste cet élément. Ça va très bien. En tout cas, il y a est en spécial de 5 présentement sur la Game okay. Store. Parce que sur Steam, on bref, parle est de 20 okay. US là. sur Steam. Mais là, toi, c'est sûr. Ah, mais Xbox. ça le vaut. là. Je veux dire, ça le vaut. Écoute, il y, y, y a beaucoup de niveaux. Ce n'est pas juste, mettons, un monde, tu as fini, puis c'est fini le jeu. Il y en a, a qui le voir du niveau dedans pour vrai. Là. Fait que, non, ça vaut vraiment la peine. 5$ euh, 15 2, de rabais mais... sur Microsoft. Oui. Ben, ça ça vaut la peine. Deuxième jeu que j'ai joué, ça s'appelle Sally Face. Euh, là, je n'ai pas beaucoup avancé euh, parce que là, je me garde du temps, mais euh, j'ai fait le premier... Euh, c'est un jeu épisodique, premièrement, mais tu peux jouer euh, tous les épisodes en arrière de l'autre. pareil. Ce pas un épisode dans un mois ou un autre épisode. Mm -hmm. Ce pas ça. Là. Il y a cinq épisodes dedans, puis tu joues un à la suite de l'autre. Là, j'ai fini le premier au complet. Euh, en gros, c'est un jeu qui est développé par Portable Moose. Ouais, un Arial pas. Si... En tout cas, c'est ça le, 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 le studio. Euh, c'est un jeu d'aventure, d'énigmes et pas ça. Ça joue solo uniquement. C'est disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox. Offert en anglais, mais nous, tout en français. Par contre, ce que j'ai aimé, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ben là, c'est. Non, non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est-tu moi qui ris? Tu... Non, moi, j'ai pas ri. Moi non, non plus. Ai... Je sais pas, j'ai entendu parler. T'es donc que... bien susceptible. Ok. Euh... <laughs> je suis. <susquille> de... <laughs> <laughs> on, on rit pas de ça point d'homme. C'était <laughs> juste pour remplir le blanc. Il n'y a, a plus personne qui parlait. <laughs> ok, bon, euh, c'est ça. Fait que, non, Ce que j'ai aimé à ce jeu-là, c'est un peu comme. Euh... Hey, Fred, c'est vrai, on s'en est pas parlé, mais as tu as toujours au premier, premier jeu de Sergei Naskov. Tu as toujours joué à 35 mm finalement. J'ai commencé, mais là, avec Elden Ring, okay. je vais m'y mettre là, dans les prochaines ah, ben... semaines. Au début, je l'ai trouvé moins bon que, voyons, euh, Rise of the Light. Ça, mais... c'est incroyable. Moi, moi c'est un de mes coups de cœur. Ah, ce attends une minute. Moi, je le trouvais moins bon parce que ça, c'est vraiment son premier jeu qui est sorti en 2006. Ouais. Après ça, il a fait In Rays of the Light. Mais là... Quand tu vas jouer peut-être une heure, quelque chose de même, parce que tu as environ cinq heures, là, tu embarques vraiment dans le jeu, puis ça, ça commence vraiment à être vraiment écœurant comme jeu pour vrai. Il okay. est vraiment bon, le jeu. Euh, j'en ai fait la critique de toute façon, tu es revoir, j'en ai parlé, là, mais... Euh, c'est ça, ce que j'aime dans ces jeux-là, c'est qu'au lieu, mettons, d'écrire en anglais, parce que euh, c'est un jeu d'énigmes, ça allait faire ça, OK? Euh, juste au départ, mettons, quand je fais de mes vidéos... Euh, c'est-à-dire, mettons, que j'avais une énigme à faire. OK, bon, là, je suis dans un hôpital. Là, je, je, parce que je suis un petit gars. Il est arrivé quelque chose, puis j'ai une face avec une prothèse. Ben là, j'ai comme des cheveux bleus de filles, puis ça, avec un masque tout le temps, pour que personne ne me voie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On va le savoir plus tard. Mais mettons, tu sais, là, il faut que je franchisse une porte. Là, il y a un C. Là, après ça, il y a d'autres lettres euh, plus tard, parce que tu franchis une porte, tu arrives dans un autre étage. Là, il y a d'autres lettres. Là, je ne comprenais pas trop au début, mais c OK. C. Ben ça, je, mettons, je, mettons, je mettais PI, là, ça ne marche pas, OK? Là, j'allais dans l'autre, CH. Là, ben ça, je dis, OK, CHI. OK? Là, ouais. je regarde un autre porte plus tard EN, OK? Mais dans la première zone où j'étais quand j'étais à l'hôpital, ben Calvars, il y avait un cadre avec un chien dedans. Mais tu sais, il y aurait pu juste, mettons, le mettre en anglais, genre D-O-G. Non, ils ont vraiment traduit pareil ça. Ça, c'est cool en maudit pareil. C'est le même partout dans le jeu. Comme m'a euh, un moment donné, ben, dans la même zone, tu sais, mon père m'appelle à l'hôpital. Je pogne le téléphone. Je réponds, Ok, c'est qui? Ben, t'es mon père. Non, je ne suis pas ton père, tu me connais pas. Là, je raccroche, que je comprends rien. Là, je repars dans une zone, je repars dans syndrome, reviens après. Puis là, je me suis rendu compte que comment j'ai fait par au téléphone? Le fil, il est brisé. Tu sais, il faut tout que tu manques des affaires. Comme un j'arrive dans une autre zone, il y a un chiffre sur un arbre. OK, mais pourquoi il y a un chiffre sur l'arbre? Là, dans l'autre zone, après ça, il y a un code, il faut que tu mettes ça à la porte. Là, tu te rappelles, hey, il y avait un chiffre, c'était quoi? 8. OK, tu rentres 8, ça apporte, là, ah, oups, ça marche à rouf, tu sais. Fait ah, que faut vraiment. Cool, ça. Non, là, moi j'adore ces jeux-là pour vrai. aucun lien d'un à l'autre. là, c'est... Euh... Il faut juste être observateur. Oui, c'est ça. C'est de bien observer ça. et de rien laisser passer. Ben, tu te souviens de l'énigme des photos dans Rays of the Light, Fred? Oui. Tu sais, il y avait des chiffres sur les photos. Ben c'est le même ouais, principe que ça. ça, ça mais ouais. C'est vraiment le fun. Ben... Mais... L'histoire, c'est... Je ne suis pas rendu assez loin de comprendre, mais en tout cas, de ce que j'ai compris, il y a des fantômes dans l'immeuble parce que j'habite maintenant. Il y a plein d'affaires qui se passent. Il faut que je me laisse ça, trouver pourquoi. Je trouve beau le jeu de la façon qu'il est jeu, fait, On ouais. dirait qu'il était ouais. dessiné à la main. C'est hey, dire. Oh, ouais. Non, mais on a oh, vu ouais. une scène où c'est que tu voyais les gens comme en deuil, on dirait av en avant de la pierre tombale. Puis, on dirait vraiment que c'était mm -hmm. dessiné à main, c'était bien c'était cool. Exact. bien fait. Non, non, il, le jeu est super bien fait, puis tout ça. Puis, écoute, il y a de l'humour en masse là-dedans. Là. À un moment donné... <laughs> un peu plus loin dans ma vidéo, je croise un gars qui est assis dans son divan, tu sais. Il me dit de rentrer. Parce que je faut que je fasse le tour de tous les, les appartements pour me faire connaître. Je viens d'arriver dans le bloc. Mon père, il me dit Bien ça, d'être fait des amis, on sait jamais. Fait que là, le vieux bonhomme, il, regardé, il me regarde, Là, je le regarde, je disais, Écoute, vous avez une belle collection, monsieur. »« Ouais, euh, moi, je tripe ces poneys. J'adore les poneys. Tu sais, la meilleure émission de TV, c'est l'émission de poneys. Il y a une collection de poneys. Hein? »« What the hell? C'est quoi le rapport? » Qui collectionne des poneys en peluche, tout ça? Tu sais, je dis, cas, il tu doit en avoir. Il y en a qui collectionnent <rire> des <rire> jeux vidéo. Oh, c'est oh, jeu, Désolé, mais, mais le gars, il, il dit « Tu peux regarder avec tes yeux. Si tu touches, ça va aller mal. » Le jeu est tout dessiné cute, mais super gore et violent maintenant. Ouais. Hein? C'est de ta femme. Oui, ah non, c'est ouais. ouais, 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 pas euh... Non, c'est ça. Mais ça a il cool, est vraiment ouais, intéressant ça. pour vrai. Puis moi, j'aime vraiment mon expérience jusqu'à date. Là, je suis en train de le critiquer justement pour tout ça. Je vais mettre ça en ligne probablement à fin de semaine, mais j'adore ce jeu-là pour vrai. Il est vraiment le fun. C'est ça. Encore un jeu dépendant, les gars. Oui, m'appeler. C'est combien de jeux dépendants? dépendants c'est plein parce qu'ils risquent. Tu sais, ça, là, un jeu de même, tu n'as pas ça dans, dans, dans le 3 là. Je veux dire, tu n'as pas, pas ça de même. Je veux dire, ça, là, une... il, il livre quelque chose d'original que tu ne vois pas ailleurs. Je veux dire, OK, c'est ça. C'est une belle présentation, puis tu ne l'as pas dans d'autres, mettons, qui ont 13,60 millions, 1000 millions de mille sabords de budget. Là. Je veux dire... Euh... Non, mais les triples A, de toute façon, ils ont une base. C'est soit des Third Person Action Aventure, des FPS ou des. Tu sais, si tu comprends, ils ont comme une base, puis c'est ça les trucs. Ça. ça serait bien t'sais, trop risqué de s'en aller là-dedans. C'est ça. Ouais mais une, une base redondante, puis que le monde comme, commence à être tanné parce que justement, ben, le marché dépend de la première fois. Ça va un coup de, milieu. Ça vend un coup Je de, de million. Je le sais. Sauf qu'à un moment donné, il y a d'autres choses. Puis là, les gens sont en train de plus en plus de s'ouvrir justement à ce marché-là parce qu'ils voient que l'offre est complètement différente de ce que le marché triple A nous offre. Puis moi, ça fait tellement mon affaire pour vrai. Puis euh, je, je, jamais je ne crache sur l'occasion de pouvoir encourager un zone dépendant moi aussi, ai je paye a... mon... Je paye mon Game Pass. Je les encourage en masse. En masse, ben <laughs> oui. Surtout... Mais oui. Non, mais surtout quand il offre un mot du bon produit comme Sally Face, justement, en forme épisodique, mais dans le même jeu, ça, c'est mon goal pareil. Là. Il ouais. est sur Game Pass, ça, Sally Face? non ben non ok ok il s'en vient pas tout expliqué pas deux pas 10 jours repos non ah non j'ai acheté Road 96 qui est pas dans le game pass c'est un jeu j'attendais. c'est un jeu je l'ai acheté je l'ai acheté en version boîte mais je l'ai montré justement ça semaine passée. j'ai pas commencé c'est vraiment le fun de voir qu'il y a beaucoup d'actions. c'est ce point aléatoire quand tu recommences tout ça parce que écoute c'est tellement il y a tellement d'histoires il y a tellement de t'as aimé Lake? tu l'avais moi, moi, je te ah. dis que 90% du monde n'aimera pas ce jeu-là, mais moi, je l'ai aimé. J'ai adoré Lake. mon jeu J'ai envoyé un mot justement au studio pour les, 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 les remercier de m'avoir offert quelque chose d'original comme ça, que ça part de rien, ça a l'air n'importe quoi, mais tu rentres dans l'histoire. L'histoire est, est très là, bonne. Tu oh, hein. puis... es pas obligé, les jeux-là, tu pas obligé d'être toujours restifié de la violence, puis du combat, non, puis mais tu mais non, des ennemis, puis tu peux avoir un petit jeu plus plus, disons, relax, entre guillemets, parce que je sais qu'il y a peut-être des sections dans la Lake là, où tu as besoin d'activer un peu, puis il euh, faut... Non, ben, tu n'as pas, pas vraiment d'action. Non, non okay. C'est plus non, la non, relation je... entre les gens, là, Je ne parle pas, pour... pas d'action, mais il faut que tu livres quand même certaines choses. Ah oui, oui, oui. oui ouais, mais tu pas... Tu as un laps de temps, mais je veux dire, tu ça. peux y aller avec n'importe quel colis que tu veux en premier, tu n'as pas de... Ouais. Tu Alors, vois, ton.. C'est vraiment un bon jeu, tu Ça, c'est exactement. Mais ça, les faits, c'est comme ça, tu sais. Je vous dirais, là, par, par expérience, plus on vieillit, là, plus c'est le genre de jeu qui nous intéresse. De... Cas, ben, ou, ou auquel on s'ouvre davantage, disons ça. C'est vrai. Comme ça, là. Ouais, moi, vrai, vrai un... moi, dans le fond, depuis que je suis en âge de jouer à des jeux vidéo, moi, ce qui me passionne là-dedans, c'est que je rentre. J'essaye, en tout cas, de rentrer dans le pot du personnage. J'essaye que moi, je suis ce que je vois à l'écran. Comprends. Puis ça, je le sais que dans la vraie vie, je le ferai. Tu sais, je ne commencerai pas à, faire, à, donner, à, à envoyer des sorts à tout le monde comme dans Final Fantasy. Là. Je le sais que je ne ferai jamais ça. Là. Mais c'est ça que j'aime. Moi, j'essaie de rentrer dans le pot de mon personnage. C'est pour mm -hmm. ça que des fois, quand je fais des personnages, mettons, dans des jeux de rôle, mettons, d'action, j'essaie que le personnage me ressemble un peu, donner mon nom, parce que. J'essaie de donner ma personnalité aussi, tu aider les gens, puis tout ça, parce que je suis faite comme ça, puis c'est ça que je veux. mais euh, je veux dire, c'est moi, ça, moi j'aime ça, jouer le personnage, puis être lui, essayer de comme <laughs> faire des choix. <laughs> hein, mais, mettons, dans le jeu, tu as des choix de réponse, tu parles avec du monde, puis tu as des choix de réponse, mais j'essaie d'y aller avec ma réponse la plus proche que je donnerais si j'étais là, c'est ça. Mais, je moi, fais ça souvent, d'homme là, mais... C'est drôle aussi de faire l'inverse. je joue à Fable. Là. Des fois, c'est ouais. le fun de faire chier tout le monde. <laughs> <T'sais>, ben <oui. rire> Des fois, ça fait changement. Ben, ouais, parce que tu pas. Pas. Exactement. Mmh. Ça c'est quand même un pas, jeu vidéo. Pas, je m'en souviens de Infamous. Infamous, il fallait la faire complètement du côté euh, obscur de obscur. la façon, on va dire. Là. Ouais. Puis, je ne l'ai jamais fait. J'ai tout été du bon côté. Mais je ne sais pas dirait que je suis attiré vers les, comme les, les bonnes choses de la vie. Je ne sais pas. Ouais. Hey, Fallout, là. C'était pour ça que c'était le fun, Fallout. Ah, ah toi, ouais. je suis sûr que Fallout 3 as fait sauter à bon, mais Moi, Fallout, oh. j'ai tué tout le monde, Je J'étais pas sale, même. Je te dis, là, <laughs> j'avais les bombes nucléaires, j'avais tout même. Ouais, mais c'est ça. Ces jeux-là, plus que t'es ouais. méchant, surtout les Fallout. Plus que t'es méchant, puis plus que t'es guéri. C'est hum. débile, comment t'as dit C'est Comme en... ma vraie vie. Ouais. à Poutine présentement. Oui, voilà, ouais, c'est ça. <laughs> c'est ça, exactement. Ouais, mais okay, moi, je parle que... des vrais Fallout, là, les, fallout là. les Fallout 1 et 2. Il ouais, ouais, ben, Fallout 3, New Vegas, c'est des très bons Fallout. Le 4 aussi, est vraiment ouais. bon. Oui, ouais, mais c'est différent. Il y, y a une touche ouais, qui s'est perdue ben, au fil des Fallout. Si ben, tu Fallout, noir, je te dirais, ouais. tu vas le retrouver un peu avec Wasteland, je te dirais. Ça, c'est ouais. la même catégorie. Ouais. Ben, c'est les premiers, c'est eux autres qui avaient fait Fallout, les premiers. Ouais, c'est ça, ça, exactement. La même 3, le 3, le 3 qui est sur le, Il est encore sur le Game Pass, peut-être. Euh, Wasteland oui. c'est ouais. vrai. Tu sais. ouais, mais mais si euh, Wasteland 3 si il vaut la peine aussi. Là, tu sais. Si t'aimes, tu dois connaître ça, Vince. Les Shadowruns mm -hmm. s'en viennent en version ouais. euh, ouais, remasterisée, remake, le machin. Mm -hmm. là. Puis ouais, dans le Game Pass. Mais est-ce que c'est ah, ah, le ah, sur, ah, sur PlayStation? Ça, <laughs> c est, c est à chaque fois que, que, ah, 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 eh, si que tu un coup de game je suis sûr que tu checkes ton sel, tu reçois des chèques PayPal. Mais si tu veux jouer, tu peux payer 50$ si tu veux, puis jouer au jeu sur PlayStation. Je suis sûr qu'il reçoit des bits, mais pas des bits comme sur Twitch. En tout cas. Mais non, mais sincèrement. Il fallait caler une bière, je sais pas qu'il dit Game Pass, mon gars. On, sera tous <rire> <sous> <rire> dans On serait tout dessous. On <laughs> serait tout dessous. Non, mais Fred, là, tu sais, regarde, j ai, j ai... mettons j'ai une coupure, là, il ne me mettra pas un plaster, il va mettre du sel dessus. <laughs> oui, ça se peut. <rire> <rire> <ferai> <temps>. Non, mais sincèrement, là, Fred. Ouais, 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 non, mais. Ça. en bon, plus de Fred, même, avec le, la, la, la cellière au complice. d'après moi. Fred, y aime ou il aime pas? Destiny, il est en amour. Parle de ça en tête avec ce jeu-là pendant deux ans, après ça, il le déteste en en plus finir. Là, il est en amour que la game passe, pas, donc il on est en amour. ça va être quoi? Oui, c'est ça. Ben, tu sais, il déteste ça. J'aime pas les décisions qu'ils ont prises pendant un laps de temps. Puis j'ai essayé ça. Le, dernièrement, puis je ne suis pas capable d'y retourner. Fait que bon, ça, c'est. Mais ouais, le Game mais Pass, de... c'est un abonnement, c'est comme Netflix. Tu parles ah, à Netflix, t'es content, tu as plein d'affaires. <laughs> je veux dire, c'est le fun. Alors, Moi, de quoi tu viens de parler que en parles? Moi, je suis bien heureux. Mais... Ben là, Fred, mais... Tu parlais de quoi, là? Non, mais j'ai dit, c'est comme Netflix, exemple. Moi, quand je suis arrivé sur Netflix, je ne connaissais pas ça. J'ai arrivé, j'ai plein d'affaires, plein d'émissions, plein de films. Tu payes un abonnement. Je ne suis pas obligé d'aller au magasin, m'acheter un DVD. Okay, à puis 50 euh, sur Xbox, euh, sur Xbox, ça s'appelle comment? Sur Xbox, qu'est-ce que tu veux dire? C'est le euh, Game Pass. Ok, hum. donc, ok, euh, deux. un autre <rire> shooter. <rire> <rire> Et non, mais je veux qu'il y ait un peu d'argent ce soir. <laughs> ah, je suis plein ouais. de cash là, ça rentre, ça rentre, man, c'est fou. Ouais, ouais, ça. <laughs> ok, bon, euh, qui veut mais... y aller? Moi, j'ai euh, fait. Euh, merci euh, pour Sarah. le follow, euh, Phil Spencer. <rire> <rire> hey, ça fait longtemps qu'il me follow moi les gars. <laughs> oh, ouais, Bonne hein. Il vient de me texter. Euh, ouais. Je dire, merci, il vient de texter, il va dire. Il hey, faut que tu en parles encore 47 autres fois avant la fin. Let's go, t'es capable. Ouais. Ouais. On vient de gagner 5000 abonnés grâce à toi, Abba ah, ben Massie. Merci. <laughs> merci. Ouais, <laughs> il t'en reste pas gros pour atteindre ton quota ouais, aujourd'hui, ouais, Fred. En <laughs> tout cas, bref, euh, moi j'ai fini. Fait que ça fait ça s'en vient. Fait que qui veut continuer? Moi, je vous passe euh, la balle, les boys. Bon, ben, je vais y aller. Donc, euh, moi, j'ai joué, euh, je joue présentement, je n'ai pas encore terminé, euh, Expedition Zero. Mais juste avant, mm -hmm. je veux juste faire une petite parenthèse. Euh, en fin de semaine, fort probablement en fin de semaine, je vais sortir la, le test de Phantom Breaker Omnia, qui est un jeu de combat. Donc, j'en dis pas plus. Si c'est okay. un jeu que vous attendiez, euh, ben, le test va sortir en fin de semaine. Euh, Expedition Zero. Qu'est-ce que c'est? Ben, je ne fais pas la critique, là. je fais juste vous expliquer un peu quel genre de jeu. Euh, c'est un jeu de style survival horror. Pour l'horreur, on repassera un peu. Euh, c'est quand même bien, c'est un jeu euh, vu à la première personne. Il euh, y a quelques. Il n'y a pas vraiment de puzzle à proprement parler. Il y a beaucoup de crafting à faire, beaucoup de choses à récupérer. Euh, mais mon expérience jusqu'à maintenant, ben, c'est beaucoup amélioré depuis la première fois au, euh, à laquelle j'ai joué au jeu. Et je vous m'explique. La première fois que j'ai joué, euh, le jeu ne me permettait pas d'avancer. Parce qu'à un moment donné, il y avait un bug qui faisait qu'il euh, y a une période de chargement qui ne se complétait pas. Donc, je n'étais pas capable de progresser dans le jeu, d'avancer. Euh, j'ai mis le jeu de côté, j'ai attendu. Et depuis sa sortie, je vous dirais, là, le développeur a mis en ligne une, deux, trois, quatre, 5, 6 six, six mises à jour. Euh, sept. Si je compte bien. Et ça fait à peu près un mois que le jeu est sorti. Oh, quand même. <laughs> il est très. Il est quand actif. même actif. là. Mmh. Mais ce que ça démontre aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses à corriger dans le jeu. Euh, présentement, le jeu est dans un état où je suis. On est capable. Je suis capable d'avancer. C'était peut-être juste moi qui avais ce problème-là ou une minorité. Euh, c'est ça, les jeux PC. Et euh, encore aujourd'hui, il y a des petits problèmes. Exemple, dans mon inventaire, un, on a un pied de biche, un crowbar. Et euh, ce crowbar-là nous permet justement d'ouvrir tout objet pour récupérer du matériel. Donc, ça peut être euh, une vieille radio, ça peut être euh, une machine à laver, un euh, émite. Et on est capable de récupérer du matériel pour ensuite fabriquer des objets dont on a besoin. Euh, à un moment donné, pouf, Pied de Biche disparu de l'inventaire, je ne l'ai plus. On le retrouve à un seul endroit au début du jeu et il nous sert tout au long du jeu pour récupérer des objets. Si on ne l'a pas, ben, c'est ball, les amis, parce que vous ne serez plus capable d'avancer dans le jeu. est-ce est qu'il y a de l'usure sur les. Non. OK. Ben, il n'y a pas d'usure. Okay. Non, c'est ça, ça aurait pu, mais non, c'est vraiment. Il, a disparu, il avait disparu de mon avis. vraiment erreur, un bug, alors. là. Oui, ouais, ouais, vraiment. Wow, c'est ordinaire. Euh, hein. J'ai à un moment donné, j'ai fait un quick save. On doit se coucher dans un lit euh, qu'on qu peut retrouver dans, différents, euh, sec, dans différentes sections euh, de la map. Euh, qui se trouve dans des bâtiments, dans des tentes. Euh, donc, on peut retrouver des lits et on peut se coucher dans ces lits-là et ça fait un quick save. Et lorsque j'ai activé le quick save, en me levant du lit, donc euh, je viens pour continuer l'aventure, la moitié de mon inventaire avait disparu. Ouais. Ah, ah, ça c'est... Wow! Il reste encore du travail à faire. Euh... Au niveau visuel, le jeu est quand même beau, mais il y a certaines choses qui sont vraiment. Euh, bon, ça manque. Il a, on peut dire qu'à certains endroits, les coins sont faits ronds. Vous verrez ça dans le test euh, que je vais mettre en ligne. Mais ce n'est pas, pas un mauvais jeu, mais ce n'est pas un excellent jeu. C'est vraiment un jeu qui est très, très, très moyen. Euh, malheureusement, avec les bugs qui. Semble-t-il, le développeur supporte son jeu. Il y a beaucoup de mises à jour qui sont faites depuis le début. Euh, et probablement qu'il le sait parce que... En tout cas, j'ai écrit directement aux développeurs pour souligner certains bugs et je n'ai jamais eu de retour, pas de merci, pas de peut-être. Ça, c'est triste. Ça, ça triste. Je, je trouve ça plate un peu, mais d'après moi, sont... c'est probablement une petite équipe et ils doivent être débordés justement de ce genre ouais. de message-là. Non, ouais, sûrement. Euh... Bon, mais c'est ça. Fait que hey, on le voit, le jeu, c'est pas... pas laid. Vraiment, les ambiances lugubres sont, sont, sont vraiment bien faites. On a une lampe de poche, mais il y a des endroits, des, endroits, des forêts, euh, qui sont euh, on a un cycle de jour et de nuit, mais on ne voit pas vraiment on ne voit jamais le soleil à proprement parler. C'est toujours nuageux, toujours, euh, euh, Bon, euh, je dirais une température maussade. Et la nuit, il fait vraiment noir, mais vraiment noir. Et euh, on doit, bon, vous voyez le système d'inventaire là qui est bugué. Mais euh, c'est ça. L'ambiance, l'ambiance est bien réussie, mais il y a certaines choses, comme là, je suis rendu à un endroit où il y a un gros monstre et ben Pedro il est pas capable de rien faire Je ne suis pas capable de gérer la situation j'ai aucune idée est-ce qu'il faut que je le tue est-ce qu'il faut que, que je me sauve puis qu'il s'en fasse, quelque part puis que ou finalement il abandonne la poursuite aucune idée euh, aucun là, indice en... là c'est ça non c'est vraiment là euh, débrouille-toi là il y a certains certaines, certains indices qui font peuvent faciliter euh, la réalisation de certains objectifs, mais il y en a d'autres que c'est OK, euh, je t'ai revu une place, ben je vais essayer quelque chose, puis finalement tu te rends compte qu'il y, y a de quoi qui fonctionne, puis ça débloque quelque chose d'autre plus loin. Puis bon, OK, c'était ça qu'il fallait faire, mais c'était pas écrit de nulle part ou c'était des indices tellement pas clairs que tu comme tu es allé par essai-erreur. Ouais, mais c'est un jeu qu'on est capable de progresser quand même. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas hyper difficile. Mais là, je suis rendu à un point où je commence à en avoir un petit peu mon voyage et euh, je suis en train de me demander si je ne passerais pas à d'autres choses puis finir ma critique là, euh, mon test là. Mais je vais essayer de le pousser, mais je pense que j'ai fait quand même un bon tour du jeu. Parce que j'ai débloqué, à ma connaissance, j'ai débloqué toutes les sections de la map où je peux aller juste des fois peut-être une porte dans un bâtiment où pas que, qui me reste à ouvrir, qui est bar, qui était barré, puis là, ça me prend euh, une recette pour pouvoir fabriquer un objet que je n'ai pas encore découvert pour pouvoir accéder parce que la porte est barrée ainsi de suite. Mais je pense que j'ai fait peut-être j'estime à peu près à 80 du jeu. Euh, fait que c'est ça pour Expedition Zero. Tu sais à quoi euh, ça me fait penser, Vince? Le look, là? Hein, je ne sais pas si tu vois Kona. Euh, Kona, attends un petit peu, ça me dit quoi ça C'est un jeu québécois, je pense. Oui, c'est ouais, Guinadon oui. qui fait la narration de qui est vraiment excellent. Puis euh, il l'a ressorti sur PlayStation après avec une version VR. Oui, ça, ah. ça me fait penser, le look, là, ça me fait penser un peu à ça. Moi, j'avais bien aimé Kona, je l'avais C'est un, pensé, un excellent jeu québécois d'ailleurs. Ouais. Okay. Ben, Celui-là, euh, je sais que Kona, t'avais à un moment donné, il fallait que tu fasses du feu parce que tu pouvais mourir gelé. Ouais. Euh, Celui-là, c'est exactement la même chose. Euh, donc, il faut, faut gérer. On a une pile qui sert à alimenter plusieurs. C'est pas juste la lampe de poche là, que, que la pile sert à alimenter. Elle sert à alimenter plusieurs autres bidules. Euh, et à un moment donné, il y a une gestion à faire. Euh, Est-ce que j'alimente tel bidule à la place d'un autre? Donc, je ferme ma lampe de poche, je vois presque plus rien, mais ça va me permettre d'alimenter d'autres choses parce que ma pile, elle l'achève et que je suis loin d'un chargeur. Bref, il y a une petite gestion à faire. Fait que ça, c'est intéressant. Euh, mais oui, ça peut avoir certaines ressemblances avec Kona, mais pas tant que ça quand même. Gestion euh... plaisante ou gestion chiante? Non, non, c'est quand même plaisant parce qu'on okay. peut, peut améliorer. La, exemple, la, la, avec le crafting, à un moment donné, on vient qu'on a une recette pour augmenter le, la capacité de la pile. Donc, évidemment, la pile, on peut alimenter, euh, mettons, cinq bidules en même temps, mais l'espérance de vie de la pile va diminuer drastiquement. Okay. Donc, euh, on peut couper l'alimentation de certains, certaines choses, comme on a, à un moment donné, on peut se faire une espèce d'exosquelette qui nous sert à courir plus longtemps, supporter plus de poids, mais le poids, je n'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Donc, disons, uniquement courir plus longtemps. Euh, ça, ça fait une grosse différence. Ça fait vraiment une grosse différence. Cependant, ça tire du jus au niveau de la pile. Mais quand on est capable d'augmenter la capacité de la pile, rendu un certain point dans le jeu, ben là, oh, regarde, ça nous ouvre plus de portes, plus de possibilités. C'est un exemple parmi tant d'autres euh, au niveau de la gestion. Dans, mais ça, c'est quand même bien fait et ce n'est pas chiant. C'est petit, la petite portion « survival okay? ». Okay. Euh, ok. Euh, ça dérange-tu qu'on passe au deuxième jeu? Parce que, non, pas du tout. J'avais système... terminé. Je répondais manières. à la question, j'avais terminé. Okay. Euh, L'autre jeu, c'était Dune euh, euh, yeah, genre, Spice Wars. Wars. Ouais, Spice oh, Wars. <laughs> War of Spice, Spice Wars. Vous ne savez plus. <laughs> euh, Old Spice, ça va être Old carrière. Spice Wars. <rire> <rire> non, il euh, y en a plusieurs qui l'attendaient. C'est un jeu de, de Doom. Um, C'est un RTS. Oui et non. non. Okay. C'est un RTS, mais il ne faut pas s'attendre à un Command and Conquer. On n'est pas là du tout, du tout, du tout, du tout. Okay, okay. Uh, un Warcraft non plus. Ce n'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus axé sur uh, la conquête de territoire la, um, et la... L'amélioration de notre empire via des décisions diplomatiques. Euh, c est, c est, Et ça, ça, ça me fait une... penser à. Anciennement, il y a très longtemps sur PC, j'avais joué à un jeu qui s'appelait Alpha Centauri. Ouais. Puis ça ouais. ressemble au même modèle que ça, mais c écoute, ça un... fait longtemps. Ouais, c'est un, hein? un peu ce modèle-là. Je dirais ça donne une, une ouais, certaine ouais. saveur, exemple. Je n'irai pas jusqu'à à, à dire que c'est exactement pareil, mais ça a des, des petites ressemblances avec les, un jeu comme, exemple, Civilization. Euh, on, peut, on peut décider d'attaquer, on peut décider de faire la paix. Ici, non. Ici, il faut vraiment dire regarde, j'attaque, j'attaque, j'attaque. Je... En tout cas, parce que là, il est en accès anticipé, donc peut-être que l'ensemble des, des modes de jeu n'est pas accessible. Euh, et j'espère qu'il va avoir d'autres modes de jeu parce que euh, je peux vous dire qu'on a fait le tour assez rapidement. Là. Mais c'est intéressant. Oui, un arbre de compétences. Euh, on doit apporter beaucoup d'améliorations. On peut apporter beaucoup d'améliorations. Et je n'ai pas encore tout compris les subtilités de, du jeu. Il euh, y a différentes choses qu'on doit extraire. Il n'y a pas juste l'épice. Il y a plein d'autres choses. Ça, ça, ça se comprend assez rapidement. Mais le jeu ne nous prend vraiment pas par la main. C'est débrouille-toi, mon ami. On te pitche là-dedans. Puis vas-y, fais du mieux que tu peux avec euh, ce que tu connais. Quelqu'un qui n'a jamais joué à ce genre de jeu-là va abandonner euh, assez rapidement. Hum... Et au niveau visuel, c'est vieillot. Hmm? Euh, oui, c'est. Euh, ils se sont inspirés du premier et du deuxième jeu de Dune qui est sorti sur Amiga. Là, je peux vous dire ça, c'est. Euh, c'est pas super joli. Mais, euh, ça, ça correspond à ce qu'un certain public peut désirer d'un jeu vidéo. Euh, je veux juste dire, si jamais un jour as un jeu de ce style-là, moins d'hommes. Oh ok, c'est bon, bon. j'ai compris. <laughs> les, les, deux, écoute, les deux qui sont le plus enclins à faire ça, c'est Master. Chambi, et ben, Chambi, Vest, Chambi ouais, Chemby. Chemby, Chambi Chambi il était jaloux, là. Ouais, ouais. <laughs> ah, Désolé, Chemby. Hey, le pire, c'est quoi? C'est que je reçois un autre. Ça je... fait deux fois que je reçois des codes, ce jeu-là. Enfin, je me dis, Calva, je vais y en avoir un, Chemi. Il me dit, oh, c'est pour faire une critique. Non, non, cadeau. T'sais, il me dit, c'est parce que tu me Je J'ai dit, quoi? Il est déjà utilisé. Je en vais m'en voir voir. C'était le même code qui m'avait envoyé l'autre code. <laughs> Puis tout à l'heure, j'en reçois oh, un autre. Non! j'en reçois un autre. Je vais dire, moi, il est chippé. Mais ben, attends, il m'a regardé. C'était encore le même code. Il <laughs> m'a en envoyé trois fois le jeu, mais trois fois le même code. <laughs> wow! OK. Il voulait être bon. sûr que tu le testes. Ouais oui. c'est ça. Là. Je pense que oui. En tout cas, le procédé est bon. Moi, j'étais tout content de faire cadeau à Chambi Eh non. Bien <laughs> sûr, il est déjà pris. Ah, Arrête, là. Je vais voir. Ben oui, va voir, je regarde. <laughs> hey, c'est le même code. C'est le même code. C'est le même code. Deux pièces dans le pot. ouais. mais. On est loin d'avoir que ce que tu fait de ton Game Pass, toi, par exemple. Non, 25 cents de plus. <laughs> en tout cas. C'est euh, question, saxophone. on a passé okay. du jaune au mauve parce que c'est la nuit ou c'est une autre planète ou je suis pas pantoute. C'est la nuit. OK. Ouais. Merci. C'est juste partie? la nuit aussi de son ordinateur à <rire> 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 okay, non, y a baissé. Ok, y'a-t-il quelqu'un d'autre je... qui veut parler ou euh... Ben moi ben je moi, peux. Ah, vas-y. Laisser... Ah. Non, c'est le contraire. Je vais te laisser okay. y aller, Fred, parce que s'il reste du temps, j'ai pas grand-chose à dire. J'étais plus là en mode technicien <laughs> ce soir. Ah, ben moi aussi, je n'ai pas grand-chose, vu que je viens de finir Elden Ring. J'ai eu un petit problème quand j'ai fini Elden Ring. J'étais tellement oh. impliqué dans ce jeu-là que j'ai eu, embarquer... <laughs> <Non. rire> eu de la misère à embarquer dans un autre jeu. Mm. Tu sais, quand tu es imprégné tu dit, dans là, un jeu. Tu m'as hein? dit la même affaire quand tu as joué à Dark Souls 3 ou 2, oui. je m'en souviens plus, mais tu m'avais dit la même chose que ça. Mais c'est correct, tu, joues, tu, tu le vis au fond ton jeu. Ah, je ça fond au, de la oui. ouais, mais il n'y a pas juste ouais, ouais. ça, c'est qu'après ça, tu, tu dis qu'est-ce que c'est qu es ben, ouais. ben, fait... que tu moyens ailleurs, c'est ça. T'as comme attention, là. tu as Puis... juste jouer à des jeux en dessous de ça. Mais ça, tu t'en rends compte justement quand tu joues à un chef-d'œuvre, tu ouais, à quelque chose là, qui correspond exactement à tes ouais. attentes et, et, voilà. qui ouais, ouais. et qui réussit à te surprendre. Euh, honnêtement, Fred, je. Moi, j'ai vécu ça dernièrement, c'était avec The Last of Us 2. Oui, ben oui. Et, ben, le 3, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Tu sais, puis honnêtement, from Software, là. Tu sais, au début, ils ont fait Bloodborne, mais ben, ils ont fait Demon's Souls, ok, mais à, à l'époque, mm -hmm. ils n'étaient pas connu par pas grand monde du PS3, ce jeu-là. Ils mm -hmm. avec avec Bloodborne. là, les gens se sont dit, hey, ils vont faire quoi de plus? Ils ont sorti Dark Souls, le 2. Là après ben, ça, ils ont sorti 3. Parce qu'ils ont non, sorti 10 non, ils ont sorti, ils ont sorti Bloodborne. Absurde, sorti... Ouais. Le, le 3, c'est Kiro, puis le Elden Ring. Mais là, après c'est Kiro, les gens, ils ont dit Bah là, OK, côté boss, spectacle, combat. Ah non, que... mais oublie ça, là, c'est incroyable. Dans là, Elden Ring. là, ils ont sorti <laughs> de Ring. le Ring, Le prochain, ils vont faire quoi de plus, pour vrai À hein? part des hologrammes dans le salon, je vois pas, là. sincèrement. Euh... Je sais qu'ils sont très qu bons dans le médiéval fantastique dark là. ils sont très, très bons, From Software. Mais j'aimerais ça qu'ils gardent leur identité, mais qu'à l'ailleurs qu'ils qu'ils fassent d'autres choses dans, parce est que, que là le... pas dans le monde des dinosaures par exemple, je sais pas, non, non 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 mais euh... Ils l'ont fait avec Bloodborne, tu sais, c'est victorien. Tu sais, ouais. c'est complètement ailleurs les décors Pourquoi, est... pourquoi il y a... ben à ce moment-là peut-être y aller peut-être dans le monde paranormal, l'au-delà, je sais pas trop, ça pourrait être popé. Il y a beaucoup de choses à exploiter là-dedans. Peu ben importe, c'est ça. Name il il change de décor un peu. Ouais, c'est ça. Ben, c'est à Sekiro, là. c'était japonais. C'était complètement ouais, différent. C'est cool. Oui, c'est ça. ça fait, ouais. Ils vont peut-être aller ailleurs. Là. Aller ailleurs bien. que la même recette au final. C'est ça. Parce que, tu veux veut, pas. Elden Ring, c'est super bon. J'ai adoré. Là. Vous savez, moi, j'ai donné 100, 110 sur 100. Là. Mais, <laughs> mais tu sais, c'est sûr que ça reste quand même du Dark Souls. Mm -hmm. Tu je veux dire, c'est du Dark Souls dans un monde ouvert. Fait que c'est sûr, j'aimerais ça que. Tu sais, on a eu Dark Soul 1, Demon Soul, Dark Soul 2, Dark Souls 3, Elden Ring. <laughs> Je, euh, quelque chose d'un peu plus hey, rafraîchissant serait que, pas pire. Tu sais que From Software, ça a commencé avec un jeu tellement plat qui s'appelle Chrome Hounds ah, puis après ça, ils ont fait Ninja Blade, qui n'était Ninja... pas stupé, mais pas, pas Ninja pas méchant, Blade, Ninja tu Blade. commençais à savoir ce qui s'en allait from software. Là, oui. t'sais? Ils arrivaient tranquillement avec un jeu de ce style-là avec des boss, des missions à faire, puis là, ben, t'sais, ça s'en venait de même. Mais ce qu'ils ont vraiment mis ça à la map, c'est Demon's Souls et de loin. Parce que les gens, oui. quand tu leur disais ça, From Software, ils ont fait d'autres jeux à Demon's Souls. Ouais, c'est eux qui ont fait Ninja Blade. Bah, arrête donc, je te le dis, oh, c'est d'autres. Oui. Puis avant ça, ils ont fait Chrome Arms, qui est un espèce de jeu de mecha plate. Mais plate! Non, mais il s'occupait ah, d'une grosse saga de mecha. Euh, c'était super populaire au Japon. Je ne sais pas c'est quoi. Il faudrait regarder euh, sur, ouais, mais euh, sur leur Ant, wiki. C'était une exclusivité, je pense, de 360. C'était tellement Ah, c'était pas bon. Ah, non, c'était pas, pas bon. Là, je me suis dit, c'est le même studio qui, Moi, j'ai commencé à jouer à Souls quand il est sorti ici en importation. Donc, personne ne connaissait ça là, au, au Canada, pour, en Amérique du Nord. Là. Puis, écoute, j'avais acheté l'édition avec le livret, puis tout. Puis, en tout cas. Mais ça, tu comprends ça vaut aujourd'hui, ça? Ah, il a, fortune. Il y avait même. un problème avec le livret parce qu'il y avait une trentaine de pages qui, qui se décollaient tout le temps dans le livret. C'était mal collé, tout ça. C'était n'importe quoi. Mais il était vraiment beau, <laughs> puis tout. Mais écoute. Fait fait que sacré ça au vidange, c'est de la merde. <laughs> de la merde. Ah non, je m'en souviens plus de ce que j'ai fait avec, mais en tout cas. Hey, Aujourd'hui, ça vaut quelque chose comme 200-300$. Je, je le sais, je sais. Mais tu sais, c'est fou pareil parce que tu regardes le jeu qu'on fait, puis là-bas, tu te dis, Demon Sauce. Tu sais, moi, puis le gars, on s'en regarde, on le commande pour le magasin, puis on dit, oh, peut-être, on va le commander, ça en a l'air nouveau. Pis tout ça On commence à jouer le soir, mon gars, dans l'arcade, puis tout ça, quand on a fermé. Hey, le bonhomme, il se garoche à terre. il roule, puis il perd d'énergie. Ah, c'est bien. <laughs> Il y avait plein d'affaires qu'on n'avait jamais vues. Là. là, on a dit, hey, ça va marcher. On, on arrive au premier boss, on a tout mangé une Christine volée, tu penses? On était ben, pas habitué des jeux de même, nous autres. Ben non. Ben non Et là, clair. là, on fait une petite recherche sur Internet, on check quel autre jeu qui ont sorti, Chrome House. On va le chercher. Il était dans, 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 dans le magasin avant puis tout. On essaye ça. C'est le même studio pour vrai. Hey boy, OK, Ça a évolué. C'est le même <laughs> studio, mais c'est pas le même producteur. Ah, c'est ça, mais. C'est pas la, la même personne qui s'occupait du développement. C'est là, là que ça a changé parce que le gars qui a, qui a fait. Euh, Est-ce que j'oublie son nom, là? Mais le gars qui a fait des Souls c'est rendu le président de la compagnie. C'est lui qui gère toute la patente. Là. Fait que tu vois un petit peu son identité avec les jeux qui sortent avec le temps. C'est des jeux qui, avec sa recette à lui. Puis, là, ça fonctionne. Quand il est rendu à 15 millions de ventes. Là. Ouais, ça puis honnêtement, avec... euh, dans le style comme ça, là. Les jeux que j'ai vraiment préférés après, il y a eu De Search parce que c'est vraiment. Ils ont trouvé aussi de leur niche. Ça se vient de The Surge, tu. Euh, Moi, j'ai pas tripé tant que ça. Tu pétais l'exosquelette quand tu avais besoin d'un morceau, tu ne pas la jambe. Tu ça, c'était original, par ah, exemple, j'avoue. Oui, Puis, tu n'as pas aimé Mortal Shell? J'ai okay. pas essayé encore. ok, ok. Mais ben il est dans que, le Game Pass. Fait que j'ai ouais. envie de pouvoir l'essayer. Essaye-le, le, essaye <laughs> essaye-le. <laughs> essaye-le, mais dis-toi que c'est pas un gros studio, mais la qualité. Ça, c'est Game Pass. <laughs> ouais, mais est-ce que vous voyez la qualité du Game Pass à chaque fois qu'on parle d'un jeu Il est dans le Game il est dans Pass. Dans le Game Pass. <laughs> hey, parlant de Game Pass, justement, on va finir avec ça. Il y a un bon jeu quand Attends, il a question. mais sur... Fred, il n'a pas parlé d'aucun <laughs> jeu. Alors, ben, je sais, a... je n'ai pas commencé encore. pas ah. besoin de parler du Game Pass, je correct. Ben, je pensais que tu avais fini. Moi, tu as juste parlé d'Elden Ring un peu, puis c'est tout. Non, 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 non. Ça, c'était mon ah. intro pour dire tu sais, ah. le jeu que j'ai joué. Une minute, minutes. Let's go. <laughs> ok, c'est bon. Non, non, mais euh, c'est ça. Je cherchais un jeu. Puis un jeu à la Bibliothèque. Ça fait un bout que je cherchais. Il n'est jamais encore. là, man. <laughs> puis c'est Spider-Man. J'ai fait Miles Morales cette année euh, sur la version PS5. Je, là, oh. tabarnouche. Hé, hey, la journée que je finis Elden Ring. Qu'est-ce qui est à la bibliothèque? Spider-Man! Il ça, je l'ai loué, j'ai commencé à jouer. Super jeu. Pour... Ben ouais. hey, sérieux, je joue sur PS5, la version PS4, là? puis le jeu il est sur la ah carte. Ben, ah ouais, visuellement, jeu... c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont moi, fait comme mauvais... travail à Insomniac? Dans moi un jeu d'Insomniac Games qui est mauvais pour vrai. Il mais... n'y en a pas. C'est ça. Ben, J'ai acheté euh, Fuse dernièrement. Faut vraiment que bon. Vraiment bon, mais le boss de fin, il est quelque chose, bonne chance. Parce que okay. l'intelligence artificielle de tes, de tes personnages, des fois, elle t'aide pas. Il, t'sais, mettons, tu tu es capable de le battre toi-même, tu vois qu'il reste un peu de ligne de vie. Mais si tes personnages meurent, ben, toi, tu es fait. fait okay. C'est ça le problème, c'est qu'ils ne se cachent pas assez. C'est un peu comme le boss de fin de Binary Domain. Je ne sais pas si tu as déjà joué. Là. Oui, excellent. Mais, jeu, mais by the exact, way. Exactement. Mais si tes personnages se sacrent devant et ils meurent, ben, tu es fait toi avec. C'est ça, ça a a un fait. autre que j'ai acheté. Euh, je l'ai acheté dernièrement. Ah. Je me suis comme euh, regreillé des jeux de de 360 qui me manquaient. C'était voilà... en, en 2010, je pense. Il y avait sorti ça. Il avait sorti le premier Metro. Puis il avait sorti aussi Singularity. Ces trois jeux-là, c'est sorti ça. dans la même année. C'est une excellente trilogie si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a? Trois euh... attends, attends. Mais dis-moi, Fred, les ouais. jeux de 360 ne sont-ils pas sur Game Pass? Il y en a! Il y en a quelques-uns. <laughs> il y en a quelques-uns. Parce que, parce, parce que sur PlayStation, il va y en avoir beaucoup de jeux sur oh, PlayStation il y a beaucoup, beaucoup, un 2, Oui, mais, mais Vince, tu as 150 <laughs> jeux qui vont être sur combat, PC, par contre, combat, sur Game Pass. Eh, il y a 150 eh, jeux PC sur Game Pass, par exemple. Ils te font il payer. IAP, Je m'en fous, hey, c'est les mêmes. Il y a le IEP sur Game Pass aussi. Oui, mais que j'aille le jeu disponible pour la console Xbox ou que j'aille le même <laughs> jeu disponible sur PC... C'est Qu -ce que ça change. Ça change Regardez rien. comment il est vendu Sony. Hey, hey, je dois te dire une chose, Vince, il y a une chose que Sony fait très mal, là, très, très mal. Puis, moi, je le fais parce que j'y joue moi aussi sur PlayStation. C'est la rétrocompatibilité des non, jeux. C'est de de vidange. <laughs> Pour vrai, là, sérieux, là. moi, j'ai joué sur le ps Now, au jeu de PS2, PS3. Là. Ouais c'est sérieux, ils ont des croûtes à manger pour accompagner ah. Microsoft. Ils Sauf ouais mais Sauf supposément qu'ils que... ont trouvé la méthode, puis ils vont l'intégrer avec le PC. Et voilà, avec porteurs. le nouveau, mais... tu vas pouvoir ouais. télécharger les jeux au lieu d'en attends, streaming. Attends, attends, j'ai hâte de attends, voir moi cette ce version-là. Ce que j'aime dans la phrase du président de Sony Mirka, c'est quand il a dit On a trouvé supposément la, la bonne formule à retenir là-dedans. Supposément. Mais ben, j'ai hâte de ah. voir. Pour vrai, mais je Mais non, non. Je voulais juste... Je voulais juste écarrer Fred un petit peu. Honnêtement, je m'en contre. Je sais. Je voulais juste le piquer un petit peu. De toute façon, au mois de juin, au mois de je vais m'abonner au extra au mois de juin. Parce que moi, je veux faire retournal avec un de mes amis. On veut jouer ensemble puis tout ça. Fait que je me suis dit, garde, ça coûte quoi? 110$ dans le fond pour l'année. Même si je m'ajoute retournal et le PS. Ouais, ça aussi j'ai les deux. Ah, attends, il va peut-être avoir des spéciaux à bibliothèque. Ah, j'ai la bibliothèque gratis, mais je suis obligé de payer l'online pour jouer avec des amis. Fait que je suis obligé de prendre l'exploit avec le jeu dedans. Ça c'est l'arnaque Piquette la blanche all the way. Microsoft ils n'ont pas encore compris son parent. Ah, là la la manette de la PS5 est 100 fois meilleure que Ah ben oui, c'est même pas proche. Très loin. Très loin. Call of Duty ça va bien ça. Juste tu peux avoir. En parlant de Call ça, of Duty... Ah oh, non. Non, mais je peux t'en oh, parler oui, deux oh, secondes. Ah oui. Oh, oui, mais <laughs> oui. J'ai loué as as Vanguard à la bibliothèque. <laughs> ah oui? <laughs> Puis, j'ai... <laughs> Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me payer 50$? 000? Je l'ai. C'est vrai, regarde, c'est parfait. <laughs> C'est Kim cave. <laughs> eh hey, oui, let's go, hey, hello. Je me suis mis à jouer à la ligne, j'ai joué à Warzone avec mes chums. Ça faisait un bout que j'avais pas joué depuis Modern hey, Warfare. Oui. Puis j'ai bien du fun. La nouvelle map est moins bonne que la première que Verdansk. Ouais, Verdans mais Ouais, mais correct. Tu sais, ça, ça fait un job, mm. le job. Le multijoueur sniper. Parce que moi, je suis un joueur sniper, Kick Quiscope, tu Attende. Ah, t'es un camper, puis... toi. Non, vraiment pas. Moi j'étais un non, quickscope. Non, un... non, mais si t'es un, un quickscope, t'es pas camper. Non, moi je me promène, là, moi, c'est combat face à face de proches, puis euh, soit que je le manque, soit je le one-shot. C'est le même, ça marche. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, à force de jouer, j'aime beaucoup, mais j'attends mieux. Euh, j'ai plus hâte, je veux dire, à Modern Warfare 2. Ah, moi aussi. moi aussi. Ben ouais, moi, mais as-tu ouais. vu la bonne annonce? Bien, la bande annonce, on avait un logo avec un chiffre 2 puis un M non, point La bande Bain. annonce, c'est le 2 juin. Oh, ouais, mais à ta minute, là, ça va c'est la suite carrément du premier parce que c'est le Task Force qui va être encore dedans. Il y a plein d'affaires que si, ouais, si, mais tu fais, du... si tu fais la bande annonce au ralenti, 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 image par image par image, là, il y a plein d'affaires que tu peux déduire dans le jeu. Là. Sauf l'affaire que j'ai le moins haute, c'est la carte. Ça campagne. va se passer, ça va probablement pas <laughs> se passer à Singapour. Parce que c'est ça qu'on voit dans, dans, dans la bande-annonce, image par image. Il y a un paquet de, de détails dans l'image par image dans la bande-annonce. Mais tu sais, ce que je trouve con, c'est ça que je le dis au début, puis on va finir avec ça pour vrai, parce qu'on va être en retard. Là. Mais l'affaire la, qui arrive, c'est que le jeu, à moins que je sois vraiment cave, mais pas à temps plein, depuis un an, il était annoncé pour 2023, il sautait une année. Mais là, ils ont sorti la bande-annonce, puis ils n'arrêtent pas de dire, ben il va peut-être sortir à la fin de l'année. Vers... Non, il sort à la fin de l'année. Ben c'est ah. ça qui est cave. Il l'avait annoncé en 2023, pareil. Non, non, non. L'année oui. prochaine, il est... ça va être en 2024. Ce mais de ils cette année, ça... il sort. S'ils font ça, c'est logique parce que Modern Warfare, excusez-moi, mais c'est la grosse. Euh... Ben... C'est le gros de Call of Duty, c'est Modern Pourquoi? Warfare. Tout le monde préfère Pourquoi? Modern Warfare. Là. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur studio des trois qui se développe. Eh oui, parce que c'est moderne, c'est Captain Price, puis c'est Ghost. Non, parce que c'est Infinity. C'est les meilleurs. OK, Vince, ton préféré c'est qui? C'est Ghost, toi, le Call of Duty? J'écoutais pas ce que vous disiez, j'ai aucune idée. Je ne joue même pas à call, Vince. Ton préféré Call of Duty, c'est Ghost? J'en ai pas. Je sais de la merde. Tu l'as au début. Tu l'as dit au début. Non, non mais non, toi, là, non, non je pensais Piquette, Je pensais que Piquette son sont préféré, c'était. Les meilleurs call of duty, c'est exactement <laughs> On veut du Ghost. <rire> 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 yeah, tu m'as tout mêlé dans ce que j'écrivais. Quoi? On veut du ghost. <laughs> <laughs> tu <What the fuck>? m'as <laughs> tout fourré dans ce que je disais. Bon, c'est ça que je voulais écrire. On veut du s'arrêter. De toute façon, là, Dom, là, tous tes euh... préférés ne seront pas les mêmes que moi et Piquette. Parce que on joue en multi, et toi, War. tu joues la, la campagne. Ben, à, fait, euh, euh, écoute, ça je suis va être désolé, complètement mais différent. Il n'y a aucune campagne, que ce soit Black Ops 1, 2, 3, 4, 6, qui arrive à la chute de la campagne de Modern Warfare. Oublie euh, ça. Modern Warfare 2, c'est le best, le vieux, best, je te parle. C est, c est, euh, le vieux. Ouais, moi, mais, mais j'ai le... comme l'impression que si, mettons, ils bah, comme... il est fort. Ah, de russe. Il a pas cette mission-là dedans de bon, surpris. surprise pas être surpris. Oh non, oh, oui, non, non. Bon. <laughs> non, je suis d'accord. Oh, mais, mais, euh... mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. J'avoue que c'était peut-être de mauvais goût de dire ça non, là. Non, c est... C est... Mais non, c'est. tu sais c'est. Non, c'est. Euh, des, des jeux qui vont inclure des Russes, des jeux de guerre, et tout ça, tu n'auras pas à voir de c'est C'est terminé, ça. En tout cas, pour finir vite, vite. Moi, là, il y a deux jeux que j'attends qui viennent de sortir, que j'ai hâte de jouer. Je joue à soi en finissant le podcast. Il y en a un qui est sur le Game Pass. je sais, c'est quoi Je voulais en parler justement. Strike to Yumi. Strike to Yumi. Me. Je m'en vais jouer tantôt. J'ai hâte. Oui. Et... Avez-vous vu les, euh, les reviews? Oui. Puis? Il y en a qui ont beaucoup aimé puis il y en a qui n'ont pas aimé. Il ouais, ouais. Ouais, ai y a du 5 sur 10 puis il y a du 8, 9 sur 10. Oui, mais c'est pas grave. Est il est dans Game Pass, donc pas. qu'on le paye pas. Oui, on s'en fout. <laughs> hein, <c 'est> <laughs> pis, hey, euh... mais... Mais sérieux, à la maison, là, quand vous allez écouter le podcast, <laughs> mettez-vous une bouteille de fort pour <laughs> theater, parce que Chaque fois que vous entendez le mot Game Pass, prenez-en ouais. ouais J'aime son attitude. Euh, vous ne euh, suivez, vous suivez jamais capable de finir le podcast. <rire> jamais. <rire> jamais c'est impossible. C'est bon, quand hein. <laughs> hey, ouais, on, on, on va en avoir, avoir des plaintes de sirouse du foie, <laughs> ma dit de quoi <là, rire> ben, <laughs> c'est notre version du jeu, je trouve. Oui, mais ouais. Euh, pour finir, pour racheter ce que tu disais, je la finir avec ça cette semaine, justement, sur PlayStation Plus, ceux qui sont abonnés comme moi, il y a deux bons jeux ce mois-ci. Il hein. y a FIFA 2022, on s'entend que le prochain sont juste en septembre. fait que vous avez un, quasiment un bon six mois à jouer avant que l'autre arrive. Ça fait que ça, c'est parfait. Puis il y a aussi Tribes of Milgard, qui est un jeu de, de viking. Euh, qui a l'air vraiment bien aussi, qui est, dans le, qui est dans le PlayStation Plus du mois de mai. Fait que ça, c'est bon aussi. Comparé à Microsoft, que, et, boy, les games with gold, ce n'est pas leur force depuis une couple de mois. Là. Non, non, non. C'est mais c'est ça. Mais ils ont le Game Pass, fait que tu sais. Non, mais... Ben, <laughs> c'est euh... sûr, mais ben, Puis, mon, mon deuxième jeu, parce qu'il y en avait un deuxième que j'attends, qui est la deuxième saison de Halo. est sortie hier, je pense. Oui, oui, oui. ouais. fait ouais. que euh, moi, je vais essayer ça. J'ai hâte. Hello. Hein? Ouais, C'est pour c ça que j'ai dit fou. ça. Allo. Hello. <rire> hello. Hello. <laughs> non, mais j'ai hâte de l'essayer voir parce que, hey, ils ont fait, ils ont réussi à faire un batteur royal à 15 joueurs. Imagine. Ça finit de fonctionner. Hein? J'ai hâte de un voir. Un batteur royal à 15 joueurs? Oui, j'ai hâte de voir, voir un peu une petite. Bon, ok, Ça peut être cool, ça peut être cool. Je vais l'essayer. Pas que ce pas intéressant, mais Vince, c'est quoi ton mot? Parce qu'on recommence à faire le défi, justement. Le mot est écrit. écrit est envoyé sur ouais, Twitter. Hey, il est partout. Il est déjà publié trois fois. Ça a tweeté tout. C'est quoi le mot? amphigouri Ok, ça veut facile, dire quoi, ça? Euh, qui relève de l'amphigouri. <laughs> <laughs> c'est bon. C'est une, une figure de style qui consiste à produire volontairement un discours burlesque, inintelligible, qui ne contient que des idées incohérentes. Ben là, on moi, je cherchais un jeu que Donald Trump il est dedans, je suis correct. That's it. Ah, euh... Ok, moi, mon. trop facile, mon mot, attends, mon mot moi, c'est Amélenchier. <laughs> 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 pas. T'as aller chier. Ouais, c'est ça. Regarde, je, vais, je vais le mettre dans, dans le chat, là. Ouais, que... écris-le, parce que. Okay. Mais Alors, pour les des... auditeurs, on vous Gardez rappelle que bruta et Jedi yeah. du Nord s'échangent des mots bizarres à dire pendant leur critique. Parce qu'on a, on a passé trop Game Pass, puis ben à un moment donné, euh, on, a, on a trop bu. C'était pas de l'eau qu'il avait là-dedans. Là. <laughs> <'est -à> <laughs> écoute, c'était une gorgée à chaque fois qu'il disait Game Pass. C'est du 710 millilitres. <laughs> C'est <vite. rire> arrivé mélanger, Dom mais ah, ben ça, euh... c'est toujours ça. Au moins, j'arrive, c'est pas pire. Ouais, okay, bon, okay. Bon. La Mélanchier, dans le fond, euh, c'est venu d'Amérique du Nord. La Mélanchier est un merveilleux arbuste qui se couvre en avril-mai d'une neige de fleurs étoilée. Chez certaines variétés, elle dégage un parfum assez doux, légèrement vanillé. Bonne chance. Parle de Fortnite, dis que t'étais dans ton amélanchier. t'étais <laughs> caché dans un amélangie. Oui. Juste dans un amélangie. Eh Faut que tu le montes à l'écran, ton amélangie. Hein? Euh, en fait en pas, on m'organiser. Ouais, ça c'est. J'ai, j'ai aucune crainte. Je te connais. -tu. tu vas probablement fabriquer un, tu vas le mettre dans le décor derrière de toi quand tu vas jouer ou quelque chose dans la même. <laughs> non, je suis pas rendu. Non. <laughs> non, mais ta vidéo que tu as faite avec ton petit affaire. Ça, c'était carré, mon gars, là. Hein? Ouais, c'était quel jeu que tu avais critiqué? Tu avais, avais mis un espèce de vaisseau spatial, pis tu le faisais aller, c'était n'importe quoi pour moi. Ah, vrai. ça, c'était... Euh... Ah, c'était un cœur, hein, ça. Ouais, oui, ouais, c'était le vaisseau, c'était la navette spatiale de mon petit bonhomme en plus que j'avais. Ouais, c'était mal C'était pas supposé d'être de même, c'était supposé d'être beaucoup mieux au début, mais <laughs> je n'étais pas capable, fait que j'ai diminué un peu mes critères. Ouais, mais c'est parce que tu n'as pas, pas le ça... budget du Game Pass pour ça, tu Non, fait que finalement, tu sais, ça fait <laughs> comme les... Euh, comment qui s'appelait, donc euh, les gars qui faisaient de l'humour, qui venaient de Victoriaville. Là, pis, euh, les Shakespeare shake Les shake tu sais, c'était vraiment de la merde. Là, que je... mm -hmm. <laughs> ah, il était bon, Oui, Ah ouais, c'était bon, mais moi, ouais, c'était que... vraiment cheap, ouais. ce que je fais, ouais. bon. OK, là-dessus, on va se laisser, puis on vous donnera... Ah, la semaine prochaine, moi, puis euh, Piquette, <laughs> oui, oh, ouais, euh, moi, puis lui, on va parler de Nintendo Switch Sport. Oui. Euh, et d'autres trucs, là. J'espère. Ça va être cool. Ah il ouais. ben, semble que ça, Fred n'a pas pu élaborer à son goût. Je non, non. Oui. Ben J'avais pas a... grand chose. Là. Tu sais, je ne reparlerai pas 45 minutes d'Elden Ring. Là. Je l'ai fait l'autre jour. Là, je vais être avec Tuyumi et l'autre. Je vais avoir pas mal d'affaires. Hey, euh... Je peux te poser une question Sûrement pas, vu que tu étais beaucoup dans Elden Ring. Mais tu as essayé Tunic, tunique finalement. Oui, j'ai essayé 10 minutes, mais vu que je l'ai essayé en même temps qu'Elden Ring. Mais je vais y jouer. Mais là, trek to Yumi avant puis après ça, sûrement ouais. je vais me lancer. C'est ça le problème hein quand tu fais 150 heures dans un même jeu, ton backlog. Ah oui, hey, c'est vrai. Très parlant, ce parlant parlant de tunic, c'est vrai, il y a une personne sur le chat qui m'en a parlé, une amie puis qui a me dit dans le fond qu'il y avait un problème avec la fin de tunic, c'est que ben il oui. y a plusieurs ben... personnes que s'ils font pas s'ils si sauvegardent pas une place en mode là, tu euh, tu peux pas finir le jeu. Puis les développeurs sont au courant, ça hey, qu'ils ne feront probablement rien pour ça. Ah oh, ouais, Je euh, ouais. Ouais. Ouais, juste capaille. te dire de quoi, Fred, là, pour le vrai. Ouais. J'ai adoré le jeu, tu le sais, là, je n'ai ouais. beaucoup parlé de tunique. La fin, je le savais que je ne le finirais pas. Okay. C'était crissement difficile, pas, pas au niveau combat, là, au niveau logique pour vrai. Puis Vu que je le savais que je ne le finirais pas, je me suis permis d'aller voir sur Internet. Ah ben non, mais il n'y a pas de mal à aller voir. Non, mais c'est parce que pour vrai, si tu scrapes ton expérience, tu ne vas pas. Oh, ouais, tu sais, il ne faut vraiment pas que tu ouais. le fasses. Puis j'ai décidé d'aller voir, puis honnêtement, j'aurais jamais trouvé. Fait que j'ai hâte que tu le fasses pour voir si tu, toi, tu vas pogner ça nom. Euh... Très, 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 très difficile. Vivi, sur le chat, elle explique que la porte doit être ouverte pendant que tu es vivant. Sinon, tu es Fait que okay, c'est ça c'est un, un peu poche. Oui, ben, c'est poche peu. un peu. Oui. Fait bien. que là, ça voudrait la refaire, mais il faudrait, faudrait qu'elle la refasse au complet le jeu. Tu sais. c'est un peu niaiseux. Ça me fait penser comme Tomb Raider, euh, je, je pense que c'est Rise of Tomb Raider, en tout cas. Euh, que je ne finirai jamais à 100% parce qu'il y a une quête que je suis bloqué à 99%. Que la quête est finie au complet. J'avais parlé avec la personne pour lui dire ouais. que j'ai fini la quête. Il n'y a rien qui se passe. Il Puis, manque une petite crotte en quelque part que je Il fallait voir là. sur les sites tout ça. Il fallait que je recommence le jeu au grand complet. Mmh. Ça, c'est chiant. Je ne ferais ça. jamais ça parce que j'ai passé genre 30 heures dans le jeu, plus les quêtes, plus ci, plus ça. No. 30 heures? Hey, 30 heures? C'est la petite bière. C est, c est c est bien sûr. De... Ben moi, c'est mon fond Vander... de change de fond de tiroir. 30 ouais, mais... Hey, <laughs> on n'a pas de temps à jouer, nous autres, là, comme tout. Vie, ben oui, ouais, hey, mon gars, il y a ce <laughs> games d'hockey en 3 jours. <laughs> ah, mais hey, tu à fin de semaine, je que... ne suis pas là, moi. Oubles non, mais tu joues, tu joues sur ton téléphone, je suis sûr, pendant que ton gars joue au hockey. je ne joue pas sur mon téléphone. Je ne joue aucun jeu sur le téléphone. Là, tu prends quand ton temps de jouer de boss? Ben, quand à, en, en, en non, je ronf... dors, là. <laughs> en deux ronflements. <laughs> OK. En tout cas, bref. Mais c'est ça. fait c'est un peu plate, là, mais... Euh... S'il si, y a beaucoup de gens qui se plaignent, peut-être qu'ils vont faire de quoi à un moment donné. C'est plein, parce que c'est un studio indépendant. Oui, ouais, mais c'est quoi? Il y, deux, il y a une là. ou deux personnes qui travaillent dessus. Ça, fait que ça se ouais. peut que le gars. Ben, mamie... Je le sais mais si tu sais que tu as t es t es un bug. Arrange-le, tu sais, si tu veux. Oui, mais gens... c'est peut-être un, peut un problème technique où, justement, si, pour le régler, il faudrait qu'il efface le code au complet puis qu'il recommence. <laughs> peut-être aux autres non, aussi. Non, on sait pas, nous autres. On sait pas. Nous autres, ça nous tente pas de recommencer au complet. Je sais pas, je connais rien là-dedans. C'est parce que le jeu, il y a eu deux démos avant qu'il sorte. Dans le. me semble, tu le testes la ouais. fin d'un jeu quand tu veux le faire. Hein, oui, mais pas semble, en il... démo. Quand c'est une démo, Alors, habituellement. Es les développeurs, lié. je parle. Ils ont, eu, ils ont eu quand même six mois entre les deux démos. fait qu'ils auraient ouais. pu facilement voir la fin et dire OK, la fin, ok ça marche pas, on ne peut pas le faire. Peut-être qu'eux autres, ils ont pas pensé quand ils l'ont testé de dire ben je vais, je vais faire ça, 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 puis ça ouais. pour voir si ça cause un problème. T'sais, dans le tête, peut-être c'était. Non, c'était tel. Puis en même temps, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Pour finir le jeu. Peut-être qu'ils n'ont ouais, pas exploré tout cas, toutes les possibilités là, quand ils l'ont testé. Genre. Je trouve ça un peu plate parce que tout le monde attendait ce jeu-là, sais. Ce ben, c'est pas un mauvais jeu, pareil, là, de quel jeu. Mais... Juste que tu ne peux pas le finir. Pour certaines personnes, c'est ça bah, qui est bon, C'est mais... ouais, ouais. yeah, Exactement. C'est comme toi, mettons, le Fred, imagine, tu as mis 150 ans sur le Celdenwick, tu essaies de battre la base de fin, puis un bug, tu peux pas le battre, tu fais quoi? Tu recommences le jeu complet? Est invincible. Non, je vais pas recommencer tout de suite, puis je pense pas leur faire ouais, new game sûr. plus. Euh, ouais. je, vais, je vais retourner dans le monde battre les boss que j'ai pas fait là, mais puis ben, euh, pas sûr, là là. Tu... Un... Hey, tant ouais. qu'à parler de Ring, je vais apporter un point puis moi j'ai pas joué là. je okay. veux juste que vous y sachiez mais un de mes amis, lui son trip, ça a l'air d'être le contraire de toi. Puis j'essaie de comprendre son principe parce que me semble le trip c'est de tout explorer mais lui justement, il faisait plein de new game plus. Il ah. Était plus, en plus Ah, il ben, y en a, a qui là, font ça. Fort, pis... Ouais, ouais. C'est quoi? Ok, c'est bon. Je me demandais c'était quoi le but? C'est que tu es toujours plus fort dans le fond, tu recommences le jeu toujours plus fort ouais, et à l'infini. Ah, ouais, il y ouais, en a qui, qui speedrun, il y en a qui y en, a qui il y a, en 7 minutes. Il y en a qui adorent tellement le jeu qu'ils veulent. Toujours où ils jouent aussi. C mais nous autres, on ne peut pas se permettre ça. On a des jeux à critiquer. Fait, à un moment donné, il faut que tu te livres. Tu n'as pas le choix. Fait, donné, tu peux pas passer 150 heures sur un jeu. Impossible. Mm -hmm. euh, C'est ça. Fait que, bon, bref. Fait hey, euh, bon, merci tout le monde. Dernière chose avant que tu nous quittes, qu'on se quitte. Vivible, c'est-tu que tu... quelqu'un de connu? parce que Je voulais juste le remercier parce qu'il est tout le temps sur le chat. C'est une fille temps, en, fait en C'est bien cool. Ben, je ne savais pas que c'était une, une fille une de... bon, Tu la connais, cest une de tes oui, amies? C'est ça, amie. je voulais savoir. Oui, Bref, merci, c'est cool que tu sois là. Ah, elle nous suit depuis longtemps, puis c'est ça. Mais euh, ouais, fait que euh, ben, merci à tout le monde d'avoir été là. Puis euh, on vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine, probablement. On va parler de ça, Nintendo Switch Sport. Moi, je vais parler d'une coupe de jeux qui, euh, que j'ai reçue encore. Ah, en passant, ah, je ne l'avais pas eu la première fois, mais là, je l'ai reçu, j'ai reçu six fous. Oh, c'était fou. Voir, ça, je, fou ça. je vais voir si c'est si fou que ça, ce jeu-là. <laughs> il paraît que c'est 100 fois plus dur que Dark Souls. Ben, non, pense. attends, non, c'est plus vrai maintenant, parce qu'ils ont sorti une mise à jour avec deux modes de plus, un mode invincible quasiment, que ah, tu peux ouais. pas quasiment te battre parce J que c'est ouais, trop difficile. Temps, ce Puis ils ont mis un jeu plus facile, plus accessible, maintenant. OK, ça c'est... Ah, okay. ouais. Mais il paraît ouais. que c'est... Euh, tu sais, ce pas.. Tu sais, des jeux qui sont... Tu as besoin de beaucoup de temps, mais celui-là, c'est vraiment difficile. C'est ben, pas exigeant, que... c'est dur. Non, non. C'est pour ça que les gens se sont plaints. puis là, ben, sont arrivés cette semaine. Il y a un suivi, hein. Jusqu'à l'automne, il y a des affaires qui s'en viennent des quêtes de plus un paquet d'enfants tout ça j'ai mis justement la, la mise à jour sur le site internet de factory.com si vous voulez le voir là. mais euh, c'est ça ils ont mis un, un mode plus facile maintenant parce qu'il y a eu tellement de personnes qui voulaient le finir le jeu qui n'étaient pas capables oui, c'est ben, très, très ben, dur ouais c'est ça fait que je vais mm -hmm. le faire je vais l'acheter en version en boîte parce que l'édition elle a l'air vraiment belle il y a pas ça la Vengeance Edition du PS5 il n'est pas 50$ en plus là comment ça s'écrit si fu mais celui-là s'il est pas à la bibliothèque là, je vais l'acheter ben, ben. ben dépêche-toi, parce que c'est le Vengeance Edition qui vendent, mettons, chez GameStop, ça fait la même, puis ça vient avec un livre d'art visuel, des lithographies, ah la bande originale, puis tout ça, fait que... hey, on n'est plus en, en 2010, je jette plus de jeux en physique, là. Ah, c'est vrai, À mon nom de À part le old school, là, sinon, on oublie ça. Fait que finalement, il y a juste moi qui est assez calme, faut acheter mes... Non, Vince. Vince non, c'est pas, pas calme. Non, ça okay. c'est vrai, c'est pas calme. Euh, ok... Ah oui, attends un peu. Deux secondes. Bon, c'est-tu l'heure qu'on monte nos trucs, je vais vous montrer mon bouclier. <laughs> J'ai acheté ça, moi, cette semaine. Ah. Ah, OK. c'est tu en un version française? <laughs> euh, je pensais bon. que c'est la version française parce que c'est marqué en français. Je me suis envoyé c'est la version anglaise. Non, c'est la version anglaise. Elle est dure à trouver la version française. Euh, ben, je peux l'avoir, mais 90$ sur Amazon, c'est ça le problème, c'est cher. Ah. Hey, je les avais payés 10$, man, à l'époque. J'étais ouais, content. Sais. Je sais pas, mon... bref. Fait qu'on euh, va se laisser là-dessus parce qu'on là, est rendu il y a quasiment deux heures. Là. Ouais. Enfin, je sais pas, j'étais pas okay. là, moi. <laughs> moi, c'est plus court. Ah, ouais. ben là, t'as manqué à peu près genre 15 minutes pas se payer. Ouais. Même pas, t'es arrivé quasiment au début après, après notre légendaire début de podcast. T'as abandonné que c'était pas bon. Ça fait 4 carte ouais, ouais, ça allait. Ouais, c'est T'avais qu'à pas monter ton bouclier, c'est tout. Piquette, il a juste sorte de sacrer son roquin, <laughs> Il va aller jouer au Game Pass. Qui ça? piquette piquette ah piquette non je ben, comprends ça fait quatre fois qu'il fait son salut piquette <laughs> ça finit pas <laughs> mais c'est Dom qui repart là Non dans. mais monde ouais yumi va mais je suis game pass fait que je vais aller laisser motu okay, la deo même tout le bye à tout le monde, tout le monde euh, la semaine prochaine Ok bye ciao bye bye merci